Nyon, nyon, coucou, alors, je m'envole. Oh mon Dieu. Ah, comment allez-vous ce soir? Qu'est-ce que vous dites de beau? Qui avons-nous? Ici, présentement, dans le chat. Graou. Qu'est-ce que vous dites de beau? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que votre semaine se passe bien? Votre lundi? Votre semaine, je t'ai coucou, je t'ai dit, au 7e ciel, mais wesh, Lyane. OMG, merci pour le pas de Psyka, merci beaucoup, merci, merci d'être là ce soir. J'espère que vous allez tous bien, que ça se passe bien. Aïe! Non mais oh! Que ça se passe bien pour vous. Moi j'ai des allergies en ce moment, c'est terrible. C'est très très chiant. Voilà. Je me suis réveillé avec. les yeux tout rouges, j'ai en feu. Et éternuement à tout va. J'arrêtais pas d'éternuer, j'étais là. De grosses allergies là. Donc, ouais, c'est le pollen qui est de retour. Oh, le pollen. Non. Enfin, voilà. On fait avec, écoutez. Écoutez, écoutez. Oh, onion puff coco. Bah, ouais, c'est comme ça. Alors, en plus, moi, je suis allergique à pas mal de choses en même temps. Donc, c'est un peu chiant. Enfin, pas à des gros, gros niveaux pour certains trucs, mais bon. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On fait comme on peut. C'est pour ça que nous allons aller dans l'espace tout de suite. Voilà. Cette transition était catastrophique, mais c'est pas grave. On va se lancer sur Outer Wild. On va finir le jeu, normalement. T'es allergique aux poils de Snap? Non, je suis pas allergique aux poils de chat. Pas aux poils de Matou. Oula, oula, la musique. Calme-toi. Outerwild. Outerwild. Jeu. Jeu. Capture de jeu. Outerwild. Oui. Ah, voilà. Êtes-vous prêt? La petite musique. Ah, ouf. Ah, merci, ça me rassure. Ah là là. Écoutez, j'espère que le son du jeu est assez fort pour vous. Vous me direz. Car je pense que là, nous allons. Ah, bonsoir, Hector. Comment tu vas? Ça va bien? On va finir le jeu ce soir, Hector, normalement. Normalement. Je dis bien normalement. J'ai mis peut-être dans le titre parce que je suis pas sûr. Ça se trouve, pas. Je vais galérer comme un dingue, on va pas le finir. Elle est très mélancolique cette musique, mais elle est très sûre. Pas sûr. Ah bon, tu penses? Bah quand même, j'ai deux trucs à faire. Normalement, c'est bon. Allez, allez, je finis ce soir. C'était pas sorti parce que je faisais déjà la semaine dernière. Effectivement. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que je pouvais. J'ai dit que je pense arriver à la fin. Mais sauf que je suis arrivé à la fin du live. Enfin, pratiquement, en fait, on va dire. Donc. Mais je suis sûr qu'on va y arriver, hein. Il me restait pas grand-chose, hein, à faire. Donc, on va voir. On va essayer. Déjà, revoyons ce qu'on avait découvert la dernière fois. Dans un premier temps. Allez, patounes! Les patounes. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Les patounes, les patounes, les patounes. Nyon. Nyon. Alors. Mais non, attends, je suis sur. J'ai. Alors, j'appuie de manière incessante sur Y. Parce que j'ai joué trop à Elden Ring ce week-end, donc c'est terrible. Ah oui, alors, il nous manque quand même quelques trucs. Mais. But, comment ça? Peut-être que si je te balançais des coconuts sur ton butt, ça va te booster. Mais non! Pas de hit. Bon, on a toujours ce sixième emplacement avec la lune quantique, ça qu'il faut qu'on le fasse. Ensuite, ici on n'a pas fait pas mal de choses. On avait ceci, c'est quoi déjà? Bon, il y a la station solaire aussi qu'il faut qu'on fasse. On sait déjà qu'on a récupéré normalement tout ce qu'il faut pour trouver les coordonnées de l'œil de l'univers, ce fameux œil de l'univers. On a toujours cette lune quantique qui va apparemment à un septième emplacement. Ah, il y a écrit quoi? De nouveau, pourquoi la lune quantique disparaît peut-être pour se rendre à un sixième emplacement inconnu? De demande au Maï effectuer un pèlerinage au cours duquel la lune quantique les amena à son sixième emplacement le plus secret de tous. Pour qu'il soit possible d'accéder au sixième emplacement, l'hôtel sur la lune quantique doit se trouver au pôle nord de la lune. Voilà. Hein, l'hôtel sur la lune quantique doit se trouver au pôle nord de la lune. Ok. Déjà, on a ça aussi. Et ça, je pense savoir comment le faire parce qu'on n'avait pas tout fait. Étant donné que chaque fois, la lune, quand elle va à un certain Spank. Mais comment ça, Spank? Mais d'où? Normalement, la lune, à chaque fois, elle est censée aller s'adapter en fait son environnement en fonction de la planète à côté de laquelle elle se trouve. Du coup, normalement, on n'a pas tout fait.
C'est quoi ça, les ruines lunaires? Le texte normal dans l'observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur rocaille. Ah oui, il y avait ça aussi. Mais je croyais que je l'avais fait, ça. C'est pour ça que je comprends pas ce truc-là. Mais bon, on peut le faire vite fait, hein, sinon. Faut que j'aille sur rocaille. Qu'est-ce que c'est? La thèse normale dans l'observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur rocaille. Ah oui, je l'ai déjà fait. Bon, on va aller voir. On va aller voir sur rocaille. Et normalement... ah oui, je devais aussi aller à la tour quantique. Qui est sur Gravité. Et on avait vu qu'on pouvait y arriver parce qu'elle est aspirée dans le trou noir et elle est recrachée dans le trou blanc. Du coup, on fera ça. Mais d'abord, on va aller sur Rocaille. Si je trouve Rocaille d'ailleurs. Où est Rocaille? Ah bah elle est là. Tu étais allé au début mais tu n'avais pas tout vu. Ah, j'y avais pas tout vu. De Rocaille? Ah ouais? Ah, je pensais que j'avais fait... parce que pour moi, le seul truc, la seule machine, c'est ça. C'est ce truc-là là qu'on voit là. Peut-être que j'avais pas tout vu, effectivement. C'est vrai que là... Atterrissage sur Rocaille. Hop, nous sommes sur Rocaille. Alors, apparemment, je n'avais pas tout vu. Déjà, j'avais vu ça la dernière fois. Non, ça, j'avais tout vu déjà, hein, ça. Ça se met sur Rocaille, normalement. Ça cherche Rocaille. Où est-ce que t'es, Rocaille? Gravité, t'es là. Hop. Ok, on sait que ça se calibre à chaque fois sur une planète. Donc j'avais fait ça. Ça, c'est sur... Léviat, du coup, Léviat, qui est normalement ici, voilà, Léviat. Et on entend le son à chaque fois des trucs. Et le soleil, ça c'est le soleil. À chaque fois on a le son des planètes, c'est assez terrifiant. Ça on sait. Donc ça on avait vu. Et du coup il y avait le dernier qui était l'œil de l'univers. Et là, bizarrement, on n'arrive pas à le trouver. On n'arrive pas du tout à le trouver, la machine. Et c'est ça qui est un problème. C'est vrai quand on peut m'attirer avec tout comment aimanté. Instant. Ah, j'étais peut-être pas allé en dessous, effectivement. J'étais peut-être pas allé en dessous. Bon alors attendez, ça, on enlève, de toute façon. On peut pas le trouver. Alors, est-ce que j'avais regardé tout ça? Je suis pas sûr que j'avais regardé tout ça. Attendez, on va regarder. C'est à l'étage de faire des essais de ton accueil, il peut attendre la gravité, stimulé par l'étoile de la navire des gravités. Sans il se produit un phénomène étrange lorsque je demande à un traceur oculaire de suivre le signal de l'œil, l'indicateur. De l'appareil, sa feuille tourne dans tous les sens sans donner la direction précise. Je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privet, mon apprenti. Nous referons un essai. Mise à jour, mon grand désarroi. Tout était correctement calibré finalement. C'est matrice d'écrire une telle nouvelle, mes amis. Mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Ah, nous le construirons, blablabla, etc. Bon, on sait qu'ils ont construit après. C'est... On avait vu qu'ils avaient construit ça. J'en ai de bord mis à jour. Ah ouais, donc ils ont vraiment pas. J'ai vraiment pas tout vu en fait. Oh, tiens. Ah, j'ai vu ces ruines sur les autres nains, mais les voies de nains, elles sont vraiment très anciennes. Je dois apprendre un. C'est du traceur normal, ça peut indiquer différentes planètes. Bon, ça, normalement, c'est le truc qu'on aurait dû voir dès le début. Hein. Je suis un peu en retard. Au moins, on peut essayer d'avoir tout, comme ça on est tranquille. Hop. Où devions-nous construire nanana, le traceur oculaire nanana. Nanana, au départ, échoué sur la sablière rouge, on construit à mon avis les autres qui étaient. Nanana, mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Le glacier sud de Gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, un salon là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoï apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de Gravité. Alors, normalement, au pôle sud de Gravité, ça, on avait vu. On avait tout vu, déjà. Bon, je pense qu'on a tout vu. Ah, il y en a encore un. Ah, j'avais pas vu. Ah, mais non, je l'ai enlevé. Non. C'est le même que tout à l'heure. J'ai fait le tour.
Oui, je l'ai déjà lu, celui-là. Ok, bon, je pense que c'est ça. À mon avis, j'ai tout lu. On va voir dans la fusée si c'est ça. Elle est où ma fusée? Elle est là. Nyon. C'est quoi ça? Ah putain, c'est le. C'est le. L'intrus. Nyon. Donc, normalement. Voilà. Là, on a fait les connexions. Ok, ok. Donc, maintenant, maintenant. Nous allons aller sur Gravité. Et nous allons essayer d'aller. Voir. Gravité, gravité. Bon, ça, j'ai déjà fait. Là aussi, il faut que je m'occupe de la. De la lune quantique après. Ah, tiens, est-ce que j'essaierai pas d'aller sur la. Sur elle, là, la lanterne? Allez, on va essayer d'aller sur la lanterne. Cette planète qui balance plein d'astéroïdes partout, de petites météorites. Je crois qu'on peut y aller en plus. Dessus. Je crois qu'il y a un truc. Bonjour. Mais je crois qu'on peut, on peut aller dessus, mais c'est risqué hein, quand même. Hein. C'est un petit peu risqué. À mon avis, il n'y a pas grand chose à faire sur cette. Est-ce qu'il y a un endroit pour atterrir? Pas du tout. Hein. Ah? Au milieu d'un volcan? Non. Oh, il y a des trucs au milieu du volcan. Est-ce qu'on pourrait y aller? Je sais pas si on peut y aller. Vous pensez qu'on peut y aller là-dessus? Oui, il y a des trucs nomades dedans là. Ah, ouais, on va peut-être pas se prendre une météorite, ce serait pas mal. J'ai rien à me poser dedans. Je sais pas si je peux me poser dedans. Ça va être tendu hein, quand même. Oh! Oh bah si, je me suis posé. Écoutez, hop. Coco! Doudou! Grrr. Regarde, je suis sur une planète de lave. Une planète de lave. Tchako! Oui, c'est moi! Grrr. Regarde, une planète de lave. Doudou! Oui! Mon doudou! Grrr. Comment tu vas? Ça va bien? Ah! Tu vas bien bronzer? Là oui, là je vais cramer même, je vais être un coco tout cramé là. Regarde, on peut y aller hein. J'ai réussi à y aller, j'en reviens pas. Alors, est-ce qu'on a des choses ici intéressantes? Est-ce qu'on a des choses intéressantes ici? Je vais être tout nu, tout bronzé. Ami des mines d'Atrebois, le dernier minerai que vous avez envoyé est celui résistant le plus longtemps à l'exposition directe à la chaleur. Pourriez-vous nous envoyer davantage afin que nous puissions poursuivre nos tests? Nous tentons d'améliorer la sélection de notre forge n'a fait qu'une bouchée de la dernière cargaison. Nous allons immédiatement livrer. Oui, tout nu surtout. Vous êtes fou de jeu de vous atteler à la conception de l'enveloppe protectrice du projet Sablière Noire. Ah oui, la sélection de la Sablière, ok. Cette capsule résistante est évidemment une Sapanova, en effet piqué ma curiosité. Mais remerciement, j'ai pas que nous. Il s'agira du projet Sablière Noire. Est-il possible que cela excède nos provisions initiales? Considérablement, à n'en pas douter, la fuite, c'est la plus minime dans l'enveloppe de protection, risquerait de mener à la catastrophe. Oh. Oh wow. Je vais devoir mis à jour, et là, normalement, c'est le truc d'Atrebois. Voilà. Tout ça, on l'avait déjà vu. On l'a déjà vu, tout ça. Nous l'avions déjà vu. Alors, ensuite. Ouf, tout nu, tout bronzé. Augmentation de l'activité solaire détectée. Augmentation de l'activité volcanique détectée. Le lieu désormais inhabitable. Évacuation recommandée. Ah. Ah oui. Ah oui, effectivement, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour atterrir. Bon. Oula. Oh! Je vais vite de ce pas m'enfuir de cette planète. Enfin, du moins, je vais essayer. Nyon. Et alors, qu'est-ce qu'il dit le journal? Et paf! Site de test volcanique. Ils ont fait des tests. Mais c'est vraiment l'espèce qui a vécu ici. C'était vraiment des tarés. Hein. Alors, je vois pas si j'ai si ça crache un truc derrière. Voilà.
Je me casse de cet endroit. Au revoir. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autre endroit, non? À mon avis, ils n'ont pas fait d'autres tests sur cette planète. Je ne pense pas. Il n'y a pas d'autres trucs volcaniques dedans. Non, il n'y a que de la lave. Il n'y a que de la lave, à mon avis. À mon avis, ouais. Il y a un ancien volcan là. Bon, écoutez. Nous allons aller... Elle est où, gravité? J'ai perdu gravité. Elle est où, la planète gravité? Bah, what the fuck? Ah bah, elle est là. Ok, alors est-ce que... Non, il faut qu'on aille au trou blanc. Où est le trou blanc? Ah. Grrr. Agrou, agrou, agrou. Où est le trou blanc? Il est où déjà? Attendez, je me souviens un peu où il est le trou blanc. La station du trou blanc et tout. Elle est où déjà, la station du trou blanc? Le vaisseau, le vaisseau, le vaisseau, le vaisseau. Le vaisseau. Gîte obscur. Où est-ce qu'elle est, la station du trou blanc? Ah, station du trou blanc. Voilà. On va voir. Ah, là. Station du trou blanc. Dans la liste des choses à faire, il te reste aussi la station solaire. Oui, c'est vrai. Il me reste la station solaire. Mais d'abord, nous allons aller chercher ce que l'on appelle la tour quantique que j'avais pas fait encore. Il me manquait un truc à faire dans la tour quantique. Et oui, il faut que je fasse la station solaire. Faut que j'essaye d'aller dessus. Mais le problème... Ah mais non, je sais, faut que j'aille sur la sablière. Stop! Stop! Arrête-toi, vaisseau! Arrête-toi! Je peux pas la loquer en plus la station du trou blanc. Je peux pas. Je peux même pas me stabiliser. Alors, est-ce que notre chère station, notre chère tour quantique est-elle là? Je crois qu'elle est pas encore là. Hein. Elle est pas encore allée dans le... Hein. Elle est pas là, la tour quantique? Non, elle est pas encore là. Oh, il y a un bruit incroyable. On a la station du trou blanc qui est juste là. Mais par contre, on n'a pas la... C'est quoi ça? Ah, mais c'est Voyager, je crois. Parce que là, je sais plus à quel moment elle arrive, en fait, là. Est-ce que ce serait ça? Non. Oh, oh. J'ai cru que je me suis pris des... J'ai failli me prendre des débris, j'ai l'impression. Il y a des débris partout. Bon allez, le trou blanc là, recrache-moi le... Graffité là, faut que tu recraches la station là. La station, la tour quantique là. Il nous faut la tour quantique. Ah, oh, oh. Il y a un gros morceau là qui s'est... Ah, oh. Là, voilà. Il me semble que c'est elle. C'est elle là-haut? Attendez, je suis pas sûr. J'ai un doute. Non, c'est pas elle. C'est un morceau de... Je pensais que c'était un morceau de truc, mais non, ce n'est pas elle. Il est magnifique, ce trou blanc. Au bout, il est magnifique. Ah, attendez. Ah non, c'est un pont. Non, je crois que c'était... Ah bah ouais, gravité, là. Fais ton boulot, là, le trou noir à l'intérieur de gravité, là. Allez, on n'a pas le temps, là. On va se faire tuer par le soleil, sinon.
C'est à un moment précis, j'ai l'impression. Il me manquait pas grand-chose en plus, hein. La dernière fois, j'avais réussi à aller dedans juste avant que le soleil il explose, mais j'avais pas eu le temps de. J'avais vraiment pas eu le temps de regarder, de lire toutes les infos. C'est un petit peu dommage. Mais le problème, c'est qu'il y a mes 3000 ans à se faire recracher, à se faire. À tomber dans le trou noir, je crois. Niaou. Il est où le trou blanc? Il est là. Elle m'a pas recraché la. Je vais peut-être me la recracher bientôt quand même, la tour quantique, là, ce serait pas mal. Coco, Valky! Graou, comment tu vas? Alors, le bébou! Elle passe le trou noir vers la fin du cycle, en effet. Ah, elle passe vers la fin! Ah, putain, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de temps en fait à chaque fois. Ouais, donc là le cycle. Attendez, je vais voir où en est la comète. Elle en est où la comète? Ah ouais, elle est loin la comète, hein. Elle est loin. En fait, la comète, si vous voulez, les gens, pour ceux qui connaissent pas, la comète qui est juste ici, elle indique plus ou moins le cycle en fait. Normalement, elle arrive, elle fait tout un détour, mais là, normalement, le cycle se termine quand elle est censée percuter le soleil. Donc je pense pas qu'on va la voir tout de suite, la lune, la tour quantique. Faudrait qu'on le fasse un peu plus tard. Donc, on va essayer d'aller dans la station solaire. En vrai, je pense. Là, quand même, elle fait plusieurs passages normalement. Ouais, elle fait plusieurs passages, mais bon. Si tu me dis que c'est vers la fin, c'est un peu chiant. On va devoir attendre longtemps. Parce que là, il n'y est pas encore. Hein. Ah, à moins que. Ce soit bientôt, peut-être. Non, à mon avis. Ouais, ça va être cool. Oh, il y a même le texte qui est distordu, hein, quand même. Comment il va le coco? Bah écoute, ça va bien. Ça va très très bien. Et toi alors? Tes épreuves là, ça s'est bien passé? T'avais les épreuves la semaine dernière? Je t'ai même pas demandé comment ça s'est passé. Après, t'as un moyen de faire passer le temps plus. Oui, c'est vrai. Ouais, mais faut que j'aille. Bon, attends. Faut que j'aille loin aussi. Faut que j'aille loin. Faut que j'aille très loin. Faut que j'aille à un feu là. Bon, on va aller sur gravité. Dans ces cas-là, on va aller vite, 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 vite sur gravité. Vite, 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 sur gravité. Nanana. Je crois que je t'avais dit, mais pas grave, du coup, philo SVT, ça a été, physique, c'est moins sûr. Oui, tu m'avais dit ça, mais je sais plus si t'avais eu d'autres épreuves après aussi. Je me souvenais plus où t'en étais. De mon côté, ça, on peut pas se mentir, ça va pas fort, je me fais suer, j'ai plus rien à faire de mes journées et les pollens m'empêchent de faire du sport. Ah, toi aussi, t'as les problèmes de. Malheureusement, d'allergie. Ah, beau bibouf. Force à toi. Force à toi, force à toi. Là, il y a un feu, là. Là, il y a un feu ici, là. Ouais, mais c'est chiant quand c'est comme ça. Il y a un feu. Il y a un feu, là. Oui, il y a un feu, là. Aïe. On va passer le feu ici. Le feu ici. Non, j'ai plus que le premier en épreuve. Le premier. Le premier, d'accord. Ah oui, le premier, oui, pardon. Allumez feu. 1er juillet, je vois. On va attendre un peu. On va pas attendre très longtemps parce que. Mais ouais, bah écoute, hein, c'est chiant, ouais, quand t'as plus rien à faire. Bah, ah, tu veux pas faire du sport? Bah, tu fais du sport à la maison. Du sport à la maison, c'est bien. Ou vois des gens, sinon. Vois des gens, des bébêtes. Si tu arrives à voir des bébêtes. C'est bien pour passer le temps sinon. Ou jouer aux jeux vidéo, mais c'est un peu dommage de rester enfermé pour des jeux vidéo, c'est un peu dommage. Mais sinon, ouais. Le sport, si tu peux pas le faire en extérieur. Je crois que j'ai attendu trop longtemps. Je suis une merde. Je n'aurais pas dû attendre trop longtemps. Ah bah oui, j'ai attendu trop longtemps. Oh non, le nul. Non, putain, il est assez chiant à voir ce timing là. Ah, je vais pas avoir le temps. Ah.
En vrai, je pense qu'on était pas, on était pas loin de la voir là. Bon bah écoutez, hein, c'est pas grave, hein, c'est le principe hein, du jeu. Hein. Ah, pas de chance, non, ça me fait chier, j'ai trop envie de sortir mais pas de faire une crise d'asthme. Puis j'ai trop, pas trop envie de faire, de voir du monde. Hein. Ah bon ? Bah oui, bah là, si t'as... là, dans ces cas-là, oui, là, tu m'étonnes que... Si t'as pas envie de faire tout ça... Ah, attends ! Sinon, ce qu'on va faire, on va vite aller dans le trou noir. Pas le temps de niaiser, on va dans le trou noir. Y aller ! Alors, vite. Vite, vite, elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Bon, bah écoutez, je sais pas où elle est. Donc, on va pas avoir le temps encore. Ah oh là là, c'est chiant. Explosion. Trop tard, ouais, trop tard. Je suis dégoûté. Et boum. Waouh, c'est beau. Supernova. Waouh. Oh, waouh. Oh, on voit la planète qui, les planètes là qui sont en train de se faire complètement... Je suis en train de voir un truc, mais je suis pas sûr. Adieu, non, je fuis. Trop tard. Ah là là, bon, on va essayer de faire autrement. Je pense qu'on va aller sur la station solaire et puis à un moment donné. Ou alors non, je fais tout de suite le, je vais passer le temps tout de suite. Je pense que je vais faire passer le temps de 10 minutes. Combien de temps déjà c'est une boucle? C'est 22 minutes une boucle. Ou 15 minutes. Je peux faire passer le temps de 15 minutes sinon. Je vais passer le temps de 15 minutes et puis après je vais à la station du trou blanc. Ok, je vais faire ça. Allez. C'est combien de temps? C'est 20... Au moins 15 je pense. Ouais, ouais, au moins 15. Bon, allez, on va faire 15. 15 minutes, c'est pas mal. Une petite pause de 15 minutes. Mais j'ai l'impression qu'il se réveille au bout d'un moment. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il se réveille. Oui, je suis chiant, mais non, t'es pas chiant. Valky, c'est normal, hein. Quand t'as pas envie de voir des gens, c'est normal, hein. Après, faut se forcer un petit peu parfois. Mais si t'as des gens à aller voir, c'est cool. C'est important de voir des gens, voir du monde. Ah là là. Après, sinon, tu fais. Tu sors. Enfin, sortir, c'est vrai que c'est chiant parce que du coup, t'as pas envie d'avoir une crise d'asthme. Je sais pas ce que tu peux faire ouais, quand tu dans ces cas-là. Bah faire du sport à la maison. Si t'as de la place chez toi pour faire du sport, tu fais du sport à la maison, c'est pas mal. Tu lis, t'écris. Qu'est-ce que tu peux faire? Faut créer. Quand on s'ennuie, faut faire des choses. Je sais pas ce que tu pourrais faire. Tu pourrais dessiner. Si t'aimes bien dessiner, toi en plus, fais plein de dessins. C'est trop bien de faire des dessins. Yo les gens, coucou le saint, le Master of Juice. Gilou, Master of Juice, le saint maître du jus. Il est là. Coucou Gilou, comment tu vas? Ça va bien? Qu'est-ce que tu dis de beauf? Le Gilou. Gilou, 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 Gilou. Allez, là c'est bon. Hop. On a fait une bonne petite sieste. T'as Miji, on a fait une sieste même dans le jeu. Toi qui fais bien me faire des siestes, c'était toujours là. Miji, il fait tout le temps des siestes. Il aime bien les siestes, c'est un addict aux siestes. Alors, station du trou blanc, c'est parti. On peut pas la lock, c'est chiant cette... J'essaie de dessiner un peu, mais bon, je perds patience pour le moins de trucs qui va pas et j'ai du mal à me motiver. Ouais, bah c'est sûr. Je comprends, hein, c'est pas facile de se motiver. Hein. À dessiner. Bro, can I get a sip of that water? Oh oui. Mais j'ai pas assez d'eau, j'ai pas de l'eau de coco ce soir. Attends. Gilou. Alors, est-ce qu'elle est là? Attends, je me pose et je bois de l'eau. Merci pour la boisson. Bon, après, je monte à Paris samedi pour la presse. C'était prévu depuis un moment. Oh, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Trop bien. Nice. Elle est toujours pas là.
Elle est pas là. La tour quantique, elle est toujours pas là. C'est un scandale. Elle est vraiment pas là, hein. Putain, mais combien de temps à venir? Oh. Mais trop bien si tu montes. Tu vas avec des gens, du coup? À Paris. Oh, je sais pas qui va frapper pas trop chaud. Moi, la dernière fois que j'y suis allé, quand j'étais à Paris, il faisait une chaleur. J'ai cru que j'allais crever. Chaque fois, il fait chaud, de toute façon. À Paris. Mais Paris, c'est loin, maintenant. Elle n'est pas là. Elle est toujours pas là, hein, la tour quantique. On a besoin de la tour quantique, hein, s'il vous plaît. Ah, oh, oh, oh. Il y a un gros morceau qui arrive, là. Est-ce que ce serait ça? Non. Nous avons besoin de notre tour quantique. Où est-elle? J'y vais avec mon meilleur ami. Normalement, je vais voir le Tsuyu. C'est le seul truc qui m'a motivé. Oh, tu vas voir le Tsuyu. Oh, elle est là. Elle est là. Putain, elle est là. Elle est là. Elle est là. Allez. Vite. Dépêche-toi. Dis-moi que c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, ok, ok. Attendez. Faut que je me concentre. Je me concentre. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, les bébêtes. Vous comprenez pas. C'est capital, là. C'est important. Vite, il faut y aller. Le saut dans l'espace. Ok, 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 ok. C'est à 2 secondes vraiment. Comment ça c'est à 2 secondes? Comment ça qu'il y a 2 secondes? Qu'est-ce qu'il y a 2 secondes? Alors normalement, j'avais fait... Alors vite, faut que je me dépêche. Ok, 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 ok. Là-haut. C'est la tour quantique, là, c'est important de... C'est quoi ça? Pourquoi il y a ça? Voilà, attendez, faut que je lise des trucs, il y a des trucs importants à lire là. Tu dis on n'a pas le temps, mais à quel... le temps à quel point? Beaucoup de points. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment je fais pour le poser, lui? Je peux pas poser, super. Dans l'espace, je peux pas le poser par terre. Oh. On va la mettre là. Allez on... Oh mais il y avait un truc ici. Oh, j'ai envie de crever. Allez, je fais n'importe quoi. On n'a pas le temps, mais à quel point, je ne sais pas. Je ne sais pas, Valky, je ne sais pas à quel point. Je fais de mon mieux, vous savez. Allez. On se croirait dans l'interstellar. Ok, merci pour le pat-pat. Si vous êtes pour effectuer votre premier pèlerinage vers la lune quantique, vous avez déjà presque terminé votre préparation à ce profond... Ah, les patounes. À ce profond et magnifique voyage. Prenez seulement un temps pour vous remémorer votre histoire. Ce voyage, nous ne l'entreprenons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour faire honneur aux membres de notre clan qui nous ont précédés, ceux qui ont échoué sur Gravité et la Sablière Noire Rouge à la suite de leur accident dans ce système stellaire, sans aucun moyen pour les deux groupes d'entrer en contact. Oh, c'est triste. Ces nomades, bien écrasés sur deux planètes différentes, virent la même lune traverser leurs cieux. Grâce à cet astre, la lune quantique, leur curiosité scientifique resta plus vivace que jamais, malgré les difficultés qu'ils traversaient. Quand les deux groupes se retrouvèrent enfin, la recherche et l'exploration de la lune quantique devint l'objectif commun de notre clan. Une quête de longue haleine durant laquelle de nombreux nomades nous quittèrent avant que nous ne trouvions comment nous rendre sur la lune quantique dont ils avaient tant rêvé. Lorsque vous atteindrez la lune quantique, souvenez-vous de ces nomades et étanchez leur soif de découverte en leur mémoire. Oh, c'est beau. Et alors ça... On n'avait pas le temps de le lire. Bienvenue sur la Nome, ton arrivée ici signifie que tu as achevé tes préparatifs sur Léviat et que tu es prête à partir pour la Lune Quantique. Au cours de ton pèlerinage, la Lune Quantique te mènera jusqu'à son 6e emplacement, le plus secret. Coucou, coucou, Chromanoa, comment ça va? Oh, les patounes du Valky. Comment ça va, Chromanoa?
le plus secret comme elle l'a déjà fait pour moi et de nombreux membres de notre clan avant moi. L'hôtel de notre clan a bâti sur la lune quantique. Que notre clan a bâti sur la lune quantique, merci pour les palpates, t'aidera dans ton voyage. Mais retiens bien cette dernière règle. Pour que tu puisses accéder au sixième emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la lune. Ok. Fais preuve de curiosité au cours de ton voyage. Ok, donc on a ces informations-là. Le truc, mesdames et messieurs, comment permettre à notre chère lune quantique de se retrouver, attends, il y a des trucs là. On va voir. Parce que la lune, en fait, si vous voulez, la lune quantique, elle s'adapte en fonction de la planète à laquelle elle est, sur laquelle elle est. À côté de laquelle elle est. Attendez, merde. Il faut que je trouve le... Il est où le petit bitonio que je peux mettre là? Il est pas... Oh putain. Ah, c'est la fin! Il est où le petit truc que je peux mettre ici là? Ah, c'est gravité... Mais ça j'ai déjà vu je crois en fait ça. Ça j'ai déjà vu. Non, j'ai pas vu ça. Il y avait un petit truc à... ...50% de carburant... Ok, non, il n'y a pas. Huh. Je vois pas où il est le truc. Bon, c'est pas grave, tant pis. Bon, le truc qu'on sait qui... Oh, il est là. Ah non. Oh! Attendez. Ah. D'accord, ça en fait, ça suit les déplacements de la lune quantique. Ok, d'accord. Bah, je sais pas comment on fait pour mettre ce truc là ici. Y a pas de, y a pas le petit bitonio que je peux mettre dans la stèle là. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, ce qu'on sait. Là, on est déjà allé à cet endroit-là. Bon, il faut maintenant qu'on s'occupe de cette lune quantique. Il faut qu'on trouve un moyen d'aller... On avait fait quelle planète? Normalement, on avait fait... Léviat, on l'avait fait, il me semble. Attendez, on va aller voir les planètes. Ah, il y a son bronze que j'ai pas fait. Ah, je l'ai peut-être fait, son bronze, remarque. Oui, il y a son bronze. Ça, c'est Léviat, on l'avait fait. Ah, j'ai pas fait, je crois, crapité. On va retenter. On va essayer de voir où est-ce qu'elle est. Ça va être un peu technique en plus. C'est un peu galère à chaque fois. La vie qui passe devant soi. Et du coup, merci pour la boisson, le gilou. Et coucou, bien et toi? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, Chromano, hein, ça va bien. On est en train de faire des. Les dernières parties du jeu. Je pense que c'est les dernières parties du jeu. L'idée pour passer tournant, c'est normal, c'est là où on a dormi. Ah là, elle est sur les viates, la lune quantique. On la voit, elle est juste là-haut là. Et hop, elle est plus là. Du coup. Alors. Déjà, on va voir ce que notre journal de bord nous dit. Nyon. Journal de bord. Il nous dit rien du tout. Ah bah super. Bon, il faut trouver du coup ce truc là. Hôtel quantique. En cantine dans une grosse nouvelle réunion 6ème emplacement, ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant un tour suspendu. Bon, de toute façon, il faut qu'on trouve ce fameux 6ème emplacement. Du coup, attendez, il faut que j'enlève juste le marqueur qui était sur. Où est-ce qu'il était? Il était là. Ça, on n'a plus besoin. Ok, maintenant on va essayer. Oh merde! C'est vrai que j'ai ça comme, comme truc. Alors. Notre chère Lune Quantique, où êtes-vous? Lune Quantique? Où est la Lune Quantique? Où est-elle? Nyaon.
Ah, elle est sur Léviath. Sur Léviath, on l'avait déjà fait. Léviath. On avait déjà fait Léviath, il me semble. C'était de l'eau partout, donc c'est pas celle-là. Hop. Ensuite, moi je pense que c'est Crafité ou son bronze. C'est l'une des deux. Elle est où là, par exemple? Elle est où la lune quantique? Où es-tu, lune quantique? Où est-elle? Il nous manque la lune quantique de... Hein, Coco Cute. Oh, le cœur de vent, comment tu vas? Qu'est-ce que tu dis de beau? Où est-ce qu'elle est, cette lune quantique? Je la vois pas du tout, hein. On fait comme ça. Hop. Mais wesh, elle est où? Où est-ce qu'elle peut être? J'ai perdu la lune quantique. Elle est au sixième emplacement déjà ou quoi? Enfin, elle est où la lune? J'ai perdu la lune quantique. Dès que je veux la chercher, elle est plus là. Ah bah elle est là. Elle est là, elle est là. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Lune quantique. Je crois que j'avais pas fait. En plus, le truc d'être bois. Donc au moins. Ok. Alors, faut pas que je me plante. Alors, on va mettre ça. Merde, elle était là, la lune quantique, du coup. Elle est là, voilà. C'est bon, là, je l'ai. Et je peux aller dessus. Alors, est-ce que j'avais fait... Non! Est-ce que j'avais fait être bois? Je crois que j'ai pas fait être bois, il me semble. Est-ce que j'ai fait être bois? Ah, l'hôtel il est là. Je crois que je peux pas aller au sud. Sur celui-là, sur celle-là. En fait, j'essaie de trouver un moyen d'aller au nord, pardon, excusez-moi. Ouais, je peux pas y aller. Donc c'est pas celle-là. Ça, je crois que je l'ai déjà fait. Être bois. Quand elle était du côté d'être bois. Donc, on va pas prendre celle-là. On va. Je crois que c'est son bronze. Son bronze, je l'ai pas encore fait. Elle est censée disparaître. Chut, voilà. Alors, maintenant, il faut qu'elle soit vraiment vers son bronze. Son bronze, où es-tu? Très cher son bronze. Oh, bah elle est vers son bronze. Écoutez, incroyable. 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 Ok. Son bronze, son bronze. Je vais pas me prendre une planète entre temps, ce serait con. Tu devrais relire les infos que tu as sur la lune quantique et les trois règles que tu as apprises. Oui, mais il y en a... Attends. Je fais juste un dernier truc. De toute façon, il y en a deux. La première règle, c'est les imageries. Au niveau des imageries, si on prend en photo, c'est comme si on la regardait. Voilà. Là, j'y suis pas encore allé, là. Bon, j'y suis déjà allé. Je suis teubé. Oh. Oh. Ah, j'y suis pas du tout allé. Est-ce que j'y suis allé sur celle-là? Ah, attendez. Oh, je crois que j'y suis allé. Le truc, c'est qu'on doit aller au... Il y a trois règles. On est d'accord, il y a trois règles. La première règle... Ah putain, on peut pas y aller, je crois. Quoique, remarque, hein. La première règle, c'est... Si on la prend en photo, c'est comme si on la regardait. La troisième règle, du coup... Enfin, l'autre règle qu'on vient juste d'apprendre, qui est la troisième, c'est... il faut que l'hôtel soit...
Il faut que l'hôtel là, qu'on a vu, je sais plus où il est là, l'hôtel, c'est trop, on va le croiser quelque part. Ok, non, par là. L'hôtel qu'on a vu là, qui est sur, doit être au pôle nord pour que on accède au sixième emplacement. Et alors, du coup, je me souviens plus de la première règle. Peut-être il m'en manque une. Ah oui, et si on ne la regarde pas, c'est comme si on se déplaçait. C'est pareil, voilà, c'est ça. Enfin, si on est dans le noir, genre, si on est dans le noir, normalement, c'est comme si on la regardait pas. Est-ce que je me trompe ou il manque un truc, Rector? Donc, tu sais à quoi sert l'hôtel? Oh, d'accord! Oh, d'accord, je crois que j'ai compris. Non, dommage. Je voulais imaginer un truc. Bah, l'hôtel, non, c'est tout bon. L'hôtel, on est d'accord, il me sert à savoir exactement. C'est ça, il est là, l'hôtel. L'hôtel, il est là. Attends, à moins que. Oh, yes! Oh, d'accord! C'est bon, j'ai compris. Ok. Mais du coup, comment je fais pour... Oui, voilà, c'est ça en fait. Il faudrait que je trouve... Souvenez-vous de l'arrêt de l'intrication quantique, oui, ça j'ai bon. Souvenez-vous de l'arrêt de l'imagerie quantique, oui, c'est bon. Souvenez-vous de l'arrêt du sixième emplacement. Elle se trouve à un six... On peut la trouver à un sixième emplacement, il faut qu'elle soit au pôle sud. Au pôle nord, pardon. Ah mais du coup ça change rien sur... Ah. Attends. Attends. Faut qu'elle soit au pôle nord ou au pôle sud là. Du coup ma fusée elle est méga loin là. Elle est où ma fusée? Attends, faut que je retrouve ma fusée. Ma fusée. Ah mais non, je peux très bien faire... Pardon. Merde, je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Parce que là, je suis en train de faire ça. Il faut que le test soit au pôle nord. Oui, voilà, au pôle nord. Mais du coup, là, il est l'hôtel. Comment je fais pour qu'il soit au pôle nord, du coup? Attendez. Eh, je peux pas y aller, là, par exemple. Je peux pas aller dedans, là. Bon, l'hôtel a disparu. Je vais le remettre. L'hôtel est là. Là, je suis... Faut qu'elle soit au pôle nord. Il faut que l'hôtel soit au pôle nord. Mais là, il n'est pas complètement au pôle nord, l'hôtel. C'est ça qui me perturbe. À quel moment, en fait, je peux aller au pôle nord? Je peux jamais aller au pôle nord, je peux qu'aller au pôle sud à chaque fois. J'atterris toujours au pôle sud. Ça, je connais si j'y suis déjà allé. Ah, attendez. Je peux y aller là? Oh! 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 Je peux y aller? Ça y est, j'y suis là. Alors attendez, il faut que l'hôtel soit au...
Voilà, ça y est, putain. J'ai enfin trouvé. Incroyable. Donc là, c'est bon, on y est. C'était sur la sablière. Putain, c'était sur la sablière, en fait, qu'il fallait depuis le début. Ok. Et donc, du coup, là, on est sur la sablière. Et si je fais ceci... J'y suis. Oh! Pourquoi j'entends du vent? Oh. Oh. Normalement, je suis à l'œil. Putain, elle est plus là, l'hôtel. Je suis à l'œil de l'univers, là, non? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah non, je suis bien à l'œil de l'univers, là. Oui, je suis bien à l'œil de l'univers. Oui, je suis à l'œil de l'univers. Oh, et comment va tout le monde? Coucou! Comment va le cutie? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, on a découvert... on découvre encore plein de trucs. Des trucs extraordinaires. Merci pour le party, le Valky. Comment tu vas, toi, sinon? Alors attendez, je suis en train d'essayer de comprendre un truc de fou. Est-ce que l'œil de l'univers, ce serait pas la planète quantique? Étant donné que on n'arrive pas à trouver précisément où est l'œil de l'univers. Nickel, j'ai passé une bonne journée. Ah, c'est bien ça. Hein, est-ce que du coup, étant donné que les Nomai n'arrivaient pas à trouver. What the fuck, c'est quoi ça? Peut-être pas. Si ça se trouve, j'ai des dingueries. Et toi, ta journée? Bah écoute, bien, plutôt bien. Il faisait très chaud, des grosses allergies. Attends, 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 il y a des choses plus importantes, Foxy. Je viens de trouver quelqu'un là. Je viens de trouver quelqu'un là. Il y a un monsieur là. Il y a un Omai qui est devant moi. Bonjour. C'est qui lui? Justement. Bonjour. Bonjour. Parlez à Solanum. Hein? Qui êtes-vous? Wow. Quoi? Ramasser pierre, vous, lune quantique, moi, ramasser pierre d'identification. Oh la vache, ça va être compliqué. Vous. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est pour communiquer avec lui? Retirer Pierre Vu. Ah, faut que je communique avec lui. Ok, explication. Ok. Ok. Oula, ouais, oula. J'effectue mon premier pèlerinage sur la ligne quantique. Tous les Nomai de mon clan entreprennent ce voyage lorsqu'ils sont en âge. Bien qu'il soit impossible d'atteindre l'œil d'ici, la lune quantique revêt pour nous une signification particulière qu'elle nous amène plus près de l'œil qu'aucun autre corps céleste que nous connaissons. Je suis venu ici pour être proche de l'œil. L'œil est certes invisible ici, mais nous envoyons la réflexion que nous renvoie la lune quantique dans le ciel au-dessus de nous. Waouh. Ok. Alors, l'explication. Alors attends. Identification, vous là.
Est-ce qu'il va mettre la même chose? Je m'appelle Solanum et je suis une nomaille. Mon clan est arrivé dans ce système stellaire avant ma naissance, le même système où nous avons choisi de nous installer. Ok. Là c'est moi. Alors l'œil de l'univers. On va faire l'œil de l'univers déjà dans un premier temps pour une explication déjà de l'œil de l'univers. Mais je pense qu'il va nous réexpliquer la même chose. L'univers comprend une grande part d'incertitude en temps normal. Cette incertitude ne peut être observée qu'à très petite échelle. Toutefois, à mesure que l'on s'approche de l'œil, elle croît de manière considérable. Si la lune quantique présente un comportement quantique sur le plan macroscopique, c'est probablement du fait de sa proximité avec l'œil. Les fragments qui se sont détachés de la lune quantique ne font pas exception. J'imagine que vous avez déjà observé ce phénomène autre part dans ce système stellaire. Ok. Lorsqu'observé d'une manière consciente, un objet quantique est contraint de se réduire à une seule possibilité. Mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient parvenait à entrer dans l'œil lui-même? Oula, ça devient compliqué là. Telle est devenue, au fil du temps, la plus grande interrogation de mon clan. Attends, il faut que je relise. Si la lune quantique présente un comportement quantique sur le plan macroscopique. Ok. C'est probablement du fait de sa proximité avec l'œil, d'accord? Le fragment que ce sont détaché d'un, je me dis un, etc. Lorsque vous observez de manière consciente un objet quantique est contraint de se réduire à une seule possibilité, effectivement. C'est ce qu'on a fait, mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient parvenait à entrer dans l'œil lui-même? T'es devenu... Ok, d'accord, ok. Lune quantique, du coup. On va faire tous les trucs. Explication. Avez-vous rencontré un roc quantique sur nos planètes? Chacun d'eux ressemble en tout point à la surface actuelle de la lune quantique lorsqu'elle rejoint l'œil. Nous pouvons en déduire que l'état naturel de la lune quantique est vraisemblablement celui que nous voyons en ce moment même et que l'œil constitue sa position principale. Ok. Étant donné que la lune quantique est le satellite de l'œil, il paraît probable que ces deux corps célestes partagent les mêmes caractéristiques. Nous savons que la lune quantique ainsi que ses fragments sont quantiques. Par conséquent, l'œil l'est certainement aussi. De fait, la nature quantique de chaque lune tient sans doute de sa proximité avec l'œil. On observe le même phénomène dans les zones entourant les rocs quantiques ayant atterri sur d'autres planètes. Ok. Ok, ok. Si je mets moi. Si je mets... Si je mets quoi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va mettre là? Si je mets... C'est quoi? Explication, moi. J'imagine que vous êtes ici pour les mêmes raisons que moi, en apprendre plus au sujet de l'œil de l'univers et réussir à le trouver. Toutefois, je ne suis pas certaine de comprendre comment vous avez pu parvenir jusqu'ici. Peut-être venez-vous d'un autre système stellaire, tout comme mon clan à l'origine. Ah mais comment lui dire? Coucou, coucou, cœur de vent! Re-coucou? Si je mets pas explication, mais identification. Qu'est-ce qu'il va mettre? J'ai pas mis toutes les trucs d'identification. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous. C'est un honneur de faire votre connaissance. Je trouve que vos quatre yeux particulièrement fascinants. Il y a bien des questions que j'aimerais vous poser. Si je saisissais votre langue, heureusement que vous comprenez la mienne. Pour cela, je vous présente mes remerciements. Merci beaucoup. Merci, merci. Ok. Est-ce que j'ai déjà mis... Bien qu'ils ne soient invisibles, nous sommes actuellement en orbite autour de l'œil de l'univers. Nous en distinguons uniquement la réflexion que nous renvoie la lune quantique. L'œil est plus ancien que l'univers lui-même, selon les croyances de mon clan. Il décrit une orbite extrêmement lointaine autour de ce système stellaire. Ok. Attends, je l'ai déjà fait ça, lune quantique identification? Je crois que j'ai déjà fait. Ah non, j'ai pas fait. Voilà la lune quantique sur laquelle nous nous trouvons. Bien qu'elle orbite également autour d'autres corps célestes, la lune quantique est le satellite de l'œil de l'univers. Ok. Et si je fais l'inverse? Si je mets identification? Dans ce sens-là, à mon avis, ça va faire la même chose, non? Il n'y a pas un sens ou un autre? Bah, j'ai déjà lu. J'ai déjà lu. Ok.
Ok, mais comment je fais du coup pour lui parler Comment je fais? Ouais, mais j'ai tout fait là. Attends. Si je fais ça. Et si je fais ça? Est-ce qu'il va comprendre? Ah, il comprend! Non, il était qu'il comprend pas. Nombre de membres de mon clan croyaient que l'œil nous avait appelés pour une raison précise, ok. Quand j'étais enfant, je considérais l'œil comme une entité malveillante qui avait attiré mon clan dans ses systèmes stellaires pour finalement disparaître dans le néant. Mais je n'ai pas plus peur de l'œil à présent, au contraire, mon souhait le plus cher est de voir l'œil un jour, mais je crains qu'il ne s'agisse là que d'un vœu pieux. Je vais peut-être... je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'ai imaginé une hypothèse sur laquelle je ne serais pas complètement en vie. Peut-être ai-je finalement atteint le terme de mon voyage. Oh, c'est... C'est triste, ça. Ok, si je fais ça... Je vais essayer toutes les possibilités, hein. Du coup. Comme vous l'avez sans doute remarqué, l'aspect de la lune quantique change en fonction du corps céleste qu'elle orbite. C'est pour cela qu'elle présente une apparence sensiblement différente selon qu'elle est dans le tour de l'Héviat ou des Sablières. Comme la lune quantique peut prendre différentes formes, l'œil doit présenter les mêmes caractéristiques métamorphes dans la mesure où il constitue la position principale de cette lune. Attends. S'il peut prendre différentes formes. Ok. Nous pouvons ainsi émettre l'hypothèse que l'œil est capable de transformation extrême. Ok. Ceci dit, en dépit de sa nature métamorphe, la lune quantique ne peut changer de forme lorsqu'elle fait l'objet d'une observation consciente. Mais qu'adviendra-t-il si un observateur conscient entrait dans l'œil lui-même? Encore la même question du coup. Qu'est-ce qu'il va dire? Supposons que vous puissiez atteindre l'œil de l'univers. Tenterez-vous d'y entrer? Quel effet pourrait bien résulter de la présence d'un observateur conscient? Waouh, c'est... Alors si je mets Nomai et moi. Ok. Attends, on a la pêche aux infos là. Vous et moi n'avons que peu de choses en commun. Et pourtant, cette rencontre a quelque chose d'unique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'éprouve de l'amitié à votre égard. Bah non, non, oui, oui, tout à fait. Effectivement, mais... il y avait ça qu'il fallait que je fasse. Est-ce que la première fois que vous vous rendez sur la lune quantique... Est-ce que la première fois que vous vous rendez... Pour moi, c'est le cas. Si vous venez en quête de réponse, j'espère que vous en trouverez. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait... ça. Et ça. J'ai pas fait ça. Tout comme de nombreux nomailles avant moi, j'ai voyagé jusqu'ici pour voir la réflexion de l'œil qui nous renvoie à la lune quantique auquel de nous est parvenu à observer l'œil de plus près. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'imagine l'épisode selon lequel je ne serai pas complètement en vie. Peut-être ai-je finalement atteint... Ça, on a déjà vu. Ok, on a déjà vu. Merci pour les patu patu. Les patu patu. Ok. Ok. Du coup, on a tout fait. Et si je mets... celui-là. Et celui-là. J'ai pas fait ça. Chercher et comprendre, tels sont les deux fondements de la philosophie Maï, telle est la manière dont nous appréhendons l'existence. Ok. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? En vrai, j'ai tout fait là, non? Il m'en manque pas, hein? Ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Je les ai tous faits, hein. Ça a pété en plus là. Pourquoi c'est silencieux d'un coup? Non, j'ai peur. Je croyais qu'il se passait quelque chose. Ah bah c'est la fin. Mais du coup, c'est tout? Vous avez rien d'autre à me montrer? Y'a rien d'autre? Non, y'a rien d'autre. Y'a rien d'autre du tout. Ok.
Putain, on a rencontré un Omai. Incroyable. Incroyable. Je pensais pas que ce serait possible. Je pensais qu'ils étaient tous morts. Il disparaît pas, lui, quand je fais ça, non? Attends, mais si j'allais là-dedans... Oh! Oh, mais attendez! Bah oui, c'est lui! Mais oui, il disait qu'il était déjà mort! Non! C'est pas possible! Dernier flash de l'existence. Oh la vache, on a appris plein de trucs là. Mais alors du coup, attends, pourquoi il se considère comme mort? Est-ce qu'il faut que j'y retourne? Là, j'ai tout, on a tout fait là. J'ai tout appris sur lui là. Ok. Oh là 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 là. Oh la vache. Oh vin de Dieu. Oh là 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 là. Il y a tellement de trucs. Alors attendez. Du coup, qu'est-ce que dit journal de bord là? C'est tout. Il me dit ça. Il est à la fois. Oui, mais en fait, oui, c'est ça. Il est à la fois mort et vivant. Ouh là là, il y a beaucoup de trucs à lire. Alors attention. Il est à la fois mort et vivant, enfin elle est à la fois mort et vivant. J'ai rencontré une Nomai encore en vie du nom de Solanum au pôle sud. La lune cantine est la lune de l'œil de l'univers. À cet emplacement, la lune cantine devient un reflet de l'œil lui-même. Mais ça formait un œil en fait dans le. Il est probable que l'œil soit la source de tous les phénomènes quantiques macroscopiques du système solaire. Solanum se demande ce qu'il adviendrait si un observateur conscient entrait dans l'œil lui-même. Waouh. Ok, ça va très très loin. Bon, il nous reste plus beaucoup de choses, à moins qu'il y ait encore des trucs à découvrir, mais... Il nous faut juste ça, la station solaire, et après aller du coup sur Sombrance. Oh, vin de Dieu. Oh là 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 là. Bon, il faut que j'aille sur... Ah oui, non, merde. Attendez. Merde. Je vais réatterrir. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais aller sur la sablière. Je vais redescendre. En fait, sur la sablière, il y a les trois... il y a toutes les tours là qui me permettent de me téléporter. Et du coup, comme je peux pas atterrir sur la station solaire avec mon vaisseau, je vais faire une petite pause de 10 minutes environ. Petite pause de 10 minutes. Histoire de faire passer le temps pendant 10 minutes. Et ensuite, on va aller du coup sur l'une des tours qu'il y a sur la sablière rouge. Pardon, excusez-moi. Sur la sablière rouge. Rouge ou noir, sur la sablière noire, pardon. Et sur la sablière noire, il y a cette tour qui permet en fait de se téléporter sur la station solaire. On va voir un peu ce que c'est. Oh la vache. Oh là 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 là. Mais attendez. J'ai en train de me dire un truc. Parce que après, on va devoir récupérer l'espèce de réacteur, de générateur qu'il y a du coup sur la sablière noire. Mais du coup... On n'aura pas beaucoup de temps. Oh, on aura très peu de temps. Oh la vache. Va falloir aller vite. Hein. Pour aller sur Sombrance. Éviter les poissons de merde là. Éviter les poissons. Et du coup entrer les codes et réactiver en fait le vaisseau. La petite musique. Tu peux le faire dans un autre cycle. Comment ça? Comment ça je peux le faire dans un autre cycle?
Tu veux dire quoi, le faire dans un autre, tu peux le faire dans un autre cycle? De quoi, le fait d'aller Pourquoi il fait jour comme ça? Est-ce que ça y est là? Oh merde! Oh Seigneur Dieu, bonté divine. Allez, t'es pas obligé d'aller dans la station solaire et aller à son bronze dans le même cycle. Ah oui, bah évidemment. Non, non, je vais pas le faire dans le même cycle. Oh que non, je vais pas faire ça dans le même cycle. Alors elle est où? Elle est où? Là. Ah bah elle est là. Elle est juste là, là. Ah putain, c'est vrai qu'il y a cette colonne de sable qui va nous emmerder. Ah mais attendez, je peux pas y aller. Je sais que je peux pas y aller. Vous allez voir pourquoi. Putain, c'est vrai que j'ai oublié. Je crois que c'est là où je peux pas y aller. Je crois que le passage, il est bouché. Dans mes souvenirs, il est bouché. Ah putain, oui, c'est vrai, il est bouché, le truc. Ah, les cactus. Regardez-moi ces cactus là! Oh, ça c'est du temps depuis une zone, ça sent ça. Je crois que j'ai déjà lu tout ça. Comment on fait pour aller là? On peut pas y aller, hein. Il y a des cactus partout. Je sais pas comment je peux faire pour y aller. Je sais pas comment on peut faire. Pas simple cette énigme. Ouais, c'est pas simple, hein. Ça a pas l'air simple. Ça a l'air très chiant. Bah ouais, c'est là. Parce que là, attends. Ah oui, le truc, il est cassé, évidemment. Il est cassé, là. Oh, il y a la colonne qui va arriver. Je vais me mettre comme ça. Comment on pourrait faire pour y aller? Je vois pas du tout. Pas simple, ouais, c'est chiant de fou. À moins que... Je suis en train de me penser un truc. Je tente des trucs. Ouais, mais je vois pas du tout comment on pourrait faire, hein. Comment on pourrait faire pour aller là-dedans? Il doit y avoir forcément une autre entrée quelque part. Je vois pas du tout comment on pourrait faire. Ou alors on se met là et ça marche quand même? Il y a des cactus à cet endroit-là. Là, il y a que ce moyen-là pour entrer. Oh, c'est chiant. Comment on pourrait faire pour y entrer? Aïe.
On peut pas y entrer par en dessous, non? Il s'est collé où? Comment on pourrait faire pour entrer dans ce truc-là? Qu'est-ce que c'est chiant. Elle est où la station solaire? Je réfléchis. Parce qu'en vrai, il n'y a que là, il n'y a que ce portail-là, il n'y a pas d'autres portails. Je vois pas en fait. Trop une oxygène, putain. C'est moi, je pensais qu'on pouvait y accéder en allant par en dessous, tu vois là. Mais on peut pas y aller, hein. En y allant par en dessous, mais par en dessous, y a pas. Je me fais soulever par le sable. En vrai, autant aller directement sur la station solaire, mais j'ai peur de me faire de cramer, quoi. Attends, est-ce que j'ai des infos là-dessus? C'est nommé initial, les nommages des bâtisses de l'administration solaire, s'est alimenté le projet Sabianor. De nombreux nommages s'opposeraient à cette idée en avançant qu'un échec pour un. Les nommages vinrent dans ce système solaire en quête d'un signal émis par une émission. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Non, ça c'est la cité obscure. La station du trou blanc se ravit de mailles pour ses tours construites dans le cadre du projet Sablière Noire. Plusieurs tours de mailles imposantes forment un anneau autour de l'équateur de la Sablière Noire. Ok. Nous devons tenir au milieu de la plafond de distorsion pendant son union avec son corps astral correspondant. L'union se fait lorsque le corps astral est juste au-dessus de vous. Les mailles ont constaté qu'un phénomène étrange, un phénomène des objets envoyés par distorsion sont arrivés au récepteur de gravité légèrement avant leur départ de la station du trou blanc. L'intervalle de temps négatif, nanana. Ok. Ça, je sais pas comment ça m'avance ce truc. Oh, c'est chiant. Pendant que la gravité couverte de neige et de glace, on se trouve à la surface d'une rune nomaille à la fin particulière. Les nomailles pouvaient employer la distorsion pour voyager. Ça, on l'a vu déjà. Comment on peut faire pour aller sur cette station solaire? Les nomailles construisent une structure appelée la station solaire, mais cette décision ne fit pas l'unanimité parmi eux. Nanana. Il est possible de se rendre sans risque à la station solaire depuis la Sablière Noire. Mais non, on peut pas y aller. On peut pas y aller. Bah, et alors, il y a forcément un moyen depuis là. Il y a forcément un moyen. Je vois pas comment on peut faire autrement. Je vois pas comment on peut faire autrement. Il crame au bout d'un moment, c'est ça, non? Non, je sais pas. Franchement, je vois pas. Alors, faut que je fasse vraiment comme ça, là? Faut que je fasse des... Tout un tour comme ça? Non, me dis pas qu'il faut que je fasse ça, quand même. Faut quand même pas que je fasse ça. Ils ont quand même pas prévu un truc... Un saut... Oh, non! Attends. Je tente, hein. Je tente un truc. Je tente quelque chose. Je crois que ça va pas marcher. Ils ont prévu le coup. Non?
Ah non, dommage. Non. Est-ce qu'il faut faire ça, Rector, ou pas? Dis-moi s'il faut faire ça. Est-ce que c'est un jeu de fusée ou pas comme ça? Parce que franchement, si c'est ça, c'est vraiment salaud de leur part, les devs, d'avoir fait ça. Ah, oh, ce serait incroyable s'ils avaient fait un truc comme ça. Ce serait tellement chiant. Incroyable à la fois et en même temps très chiant. C'est faisable, mais il y a une autre meilleure solution. Ah ouais. Oh, il y a une autre solution. Ça m'énerve de pas trouver, là. Je vois pas comment on peut faire. Comment on pourrait faire? Tout comme tu peux aller à la station vaisseau, mais c'est super galère. Attends, c'est ça ta solution, ta meilleure solution là? C'est vraiment ça? C'est vraiment ça? Ton autre solution, qui est ta meilleure solution, c'est d'aller sur la station solaire en vaisseau? Oui, non. Ah non, ok, d'accord. Ah, oh, punaise. Attends, question dans ces cas-là. Est-ce que la solution se trouve sur autour de la tour, enfin de pour de. Est-ce que ça. Là, je vais y arriver. Non, la pire solution, c'est en vaisseau. Ok, d'accord. La deuxième, un peu moins pire, du coup, c'est de faire avec les cactus. Et du coup, il y en a une autre qui est la meilleure solution. Et du coup, ma question, sans d'autres rentrer dans les détails, est-ce que la solution se trouve sur la sablière noire, du coup? Là où on était, là où je cherchais. C'est ça. Ok. Il y a une autre solution sur la sablière noire. Oui. Oh putain. Faut aller sur la sablière noire. Il y a une autre solution sur la sablière noire. Mais d'où? Où? À quel moment? J'espère que ça en vaut la peine, hein, parce que. Qu'il y a un truc important à aller voir. Remarque, oui, parce que le truc qu'ils ont construit, c'était pour enclencher une supernova, donc tu m'étonnes que oui, ça. Il est où le soleil? Soleil, où es-tu? Ah, il est derrière. Alors. Il y a une autre solution du coup qui est sur la sablière noire. Mais comment? Comment faire pour aller sur cette station solaire? Est-ce que c'est vraiment tiré par les cheveux ou pas? Parce que bon. Pff. Elle est à la station du soleil. Non mais il faut capter le truc. Faut capter le truc. Non mais ils sont marrants. Capter le truc. Capter le truc. Bon, dans tous les cas, c'est autour de la tour. C'est à la tour, forcément. Là, c'est fermé. Alors, attends, on va récapituler un peu les trucs. Là, c'est fermé. C'est dans la tour. C'est dans la tour. Merde, putain de bordel. Vite. C'est dans la tour. Dans la tour. Eh, ils sont chiants, hein. Tout à l'heure, j'ai fait un truc qui était pas mal, c'était ça, là. Merde. Ça me paraît très bizarre que ce soit pas fait exprès, ce truc-là, là, tu vois.
Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller et qu'est-ce qui pourrait t'aider à éviter cet empêchement? Bah le sable, en soi. Wait, coucou. Lurk, mais y a pas de soucis. Bien pour ton lurk. Attends, mais comment tu veux que j'utilise le sable? Oh non, me dis pas que c'est ça. Faut que vraiment que je fasse ça. Que du coup, que je me dépêche de faire tout le tour quand le sable est à peu près au niveau de... Oh punaise. Oh non, c'est ça. Ah, faut que je recommence le cycle du coup. Oh, c'est vraiment ça en plus. Ça va vraiment être ça. Parce que là, le sable, il serait du coup pas complètement... Il recouvrirait une partie du truc, là. Une partie des cactus. Et j'aurais juste à éviter les... Oh, non. Oh, non. Oh. Parce que là, le sable, du coup, il y en a plus, maintenant. Oh, c'est trop chiant. Vas-y, j'essaye juste comme ça, pour... Encore un pic et je suis mort. Bon, allez, hein. Voilà. Allez. Voilà, voilà. Ah. J'ai eu un peu mal. La tour du soleil est désactivée depuis 3 minutes et 3 secondes quand tous les autres tours sont désactivés. Ok, d'accord. Bon. Hein, est-ce que tu peux me dire, Rector, est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que c'était vraiment où les gens qui savent? Merci pour pas être le Kramanois. Est-ce que c'était vraiment, fallait que j'attende que le niveau du sable soit à une certaine hauteur pour que je puisse marcher tranquillement en évitant juste les cactus qui étaient qui sont au sol quoi. Je pense que c'était ça. Tu veux l'info? Est-ce que c'est une question de sable? Est-ce que le sable joue quelque chose? Dis-moi oui ou non. Me donne pas l'info, mais je, si c'était ça, c'est... J'ai plus d'oxygène en plus. Est-ce que c'est une question de sable? Sable oui, sable non. Oui, ah bah voilà, c'était ça. C'était grâce au sable. Le sable, il nous permettait en fait d'arriver à une certaine hauteur au-dessus des cactus. Où fallait vite, vite, vite aller jusqu'au truc, faire tout le tour. Et puis du coup, arriver directement... 60 secondes d'oxygène, je vais pas y arriver. Je suis dégoûté. J'espère qu'il y a du, il y a de l'oxygène là-bas. Sinon, tant pis, je suis mort. La tour est désactivée par contre. Comment ça elle est désactivée? Comment ça elle est désactivée? Tu ne pourras pas te TP sur ce site. Non! Oh, je suis trop deg. On va méditer, hein. Oh, il y a un cycle précis. Oh, c'est dégueulasse. C'est salaud d'avoir fait ça. C'est tellement salaud d'avoir fait que... Tu peux que le faire au début du cycle. Nah. Pourquoi se désactive la tour? C'est chiant. Bon bah on va y aller comme ça. C'est logique, tu verras pourquoi. Ah je sais, parce que comme le soleil grossit, ça détruit en premier la station solaire. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui j'imagine que c'est ça, parce que oui oui évidemment. En fait, là, il est bien. Oui, c'est ça. Bah oui, voilà. C'était sûr. Ok. Bon, bah, on va attendre. On va aller... On va attendre sur la sablière noire. On va devoir trouver les... vite, 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 les tours. En plus, on sait pas où elles sont au début. C'est relou. Nanana.
Ah là là, triste vie. Aïe. Alors, où suis-je exactement? Je suis presque à l'équateur. Ok. Ouais, parce que la station solaire, en fait, elle se fait complètement cramer par le... Elle se fait complètement cramer par le... Par le soleil, quoi. Donc, évidemment. Ok, d'accord. Bon, ça paraît logique, mais c'est un peu chiant comme mécanisme. Bah, on est obligé d'attendre, quoi. Je suis en orbite. Tout, 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 tout. On va marcher comme ça jusqu'à ce qu'on croise une tour. Mais bon, le temps que le sable se vide, on en a pour un moment. En attendant, qu'est-ce que vous dites de beau, les bébêtes qui viennent d'arriver là? Ceux qui sont en lurk, à part ceux qui sont en lurk. Pat pat le Valky, oui, pat pat le Valky. Oh, je fais une belle orbite là. Oh tiens, là il y a la lune quantique. Bon. Le sable là. Voilà ce que je dis perso. Patoun! Les patounes. Qu'est-ce que vous dites? Patoun. Just patooning. Only patooning. Après être en just lurking, just patooning. C'est tellement long, on va devoir attendre. Je vais plus avoir assez d'oxygène, évidemment. Donc on va retourner à notre fusée. Ah, 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 ah. Là. Elle est là. Ok. Alors je vais vite, vite. On est tombé pile poil, dis donc. Je vais vite, vite, vite. Et oxygène, hop, carburant, on y go. Merde, 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 sur le côté. Ah! Là, là, là. Alors de quel côté maintenant? C'est la bonne question. Je me souviens plus de quel côté c'est. Je sais plus du tout quel côté je crois. Je crois que c'est celui-là. Mais je suis pas sûr. Je sais plus quel côté c'est. Allez, le sable là. Allez. 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 Par contre, on va pas avoir beaucoup de temps du coup. Oh. Va falloir aller vite, hein. Sur la sablière, sur la station solaire. Va falloir aller très 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 vite. Ok, c'est là, c'est là, c'est là. Non, c'est le côté. Ah, 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 c'est le côté, c'est le côté, c'est le côté, c'est le côté. Vite. Vite. Ok, ça va être là. Je vais devoir aller ultra vite. Ça va être chaud, hein. Oh non. Oh non. Oh non. Il y a une tour de sable qui me fonce dessus. Oh non. Oh, c'est impressionnant par contre ce truc-là. J'adore. La sablière, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, on a ça et après on va devoir refaire la même chose à l'autre cycle du coup. Ah, ça baisse. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. On va devoir faire la même chose du coup pour attendre l'autre du coup. Ça va être un peu plus simple. Ah non, remarque qu'on va devoir se dépêcher aussi, hein. Allez, allez, allez. Hop, on évite les cactus. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Oh! Aïe! Aïe! Voilà. Allez! Allez! On l'a fait. On l'a fait. Bon, maintenant faut qu'on puisse se téléporter. Ta-da-ta-da-ta-ta-da-ta-ta.
Youpi, youpi, you, du, 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 du. Ah, le soleil. On va arriver. Ouah, c'est beau. Allez, la station solaire. Et c'est parti! Ah non? Ah oui, merci. Impeccable. Ok, ok, ok. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, là. On n'a pas beaucoup de temps. On a point de temps. Ok, 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 ok. Alors, ça dit quoi? Il y a 281,042 ans. Aucune commande utilisateur reçue depuis 10 minutes. Mise en veille de l'ensemble des systèmes. Il y a 6 minutes et 38 secondes. Augmentation de l'activité solaire détectée. L'intégrité de la coque. La zone solaire approche au seuil critique. Fermeture des issues de secours. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Oh merde. Oh. Mais attendez, je vais devoir aller où là? Oh. Oh. Oh non, me dis pas que... Heureusement, je suis pas attiré par le soleil. Hein. Allez, allez, allez. Gravity, on est dans Gravity, on est dans Gravity, dans Interstellar. Fais pas le con. Non, c'est bon, j'ai pas fait le con. C'est bon, c'est bon. Oh, la musique. Oh. Ah. Mission, la science nous contraint à faire exploser l'étoile. Attention. Séquence dramatique. Pourrions-nous changer ça? Travailler avec un ordre de mission aussi morbide sous les yeux ne me réjouit guère. Il est tout à fait correct. Pourtant, nous allons créer une supernova au nom du progrès scientifique. Voilà notre mission. Notre mission est de décider... Merci pour le palpal Valky. Notre mission est de décider si cet exploit, aussi irresponsable soit-il, est de l'ordre du possible. En voilà une meilleure... Mission, déterminer s'il est possible d'amener l'étoile à exploser. Tu n'as aucun sens de l'humour. Mais moi au moins j'ai un sens de l'éthique. Je te saurais de ne pas partir en supernova avec moi avant que l'étoile ne l'ait fait. Hidaya. Ouah. C'est vrai qu'il voulait à tout prix... créer une supernova, mais... À quel prix, quoi? Il y a des trucs ici. Ah, il y a la statue Nomai. Il y a des trucs à regarder ou pas ici, non? Il n'y a rien. Hein. C'est tout? Il y avait juste ça? Il y avait juste ça? Non. Non. Je peux pas croire qu'il y avait juste ça. Pas possible. Non, il y a d'autres choses à voir. Ok, ok. Donc là, il y avait un autre truc à voir en bas, j'ai l'impression. Ok, là, il y a des trucs à voir. Vite. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Oh, mon Dieu, c'est beau. Oh non. Chromanoa. Putain, Chromano, ah. MDA. Ah, attendez. Attendez, attendez, vite, faut qu'on se dépêche de lire les trucs. L'étoile entre dans la dernière phase de son cycle de vie. Elle approche l'état de géante rouge. Danger, évacue la station solaire. Temps restant avant la destruction de la station solaire par l'étoile en expansion, environ 2 minutes 36 secondes. Temps restant avant la mort de l'étoile, environ 14 minutes et 6 secondes. On n'a pas beaucoup de temps. Oh, c'est magnifique. Ça me fait penser à... Vous avez vu le film c'est Sunshine, il me semble. Ou Solaris. Non, je sais plus. Sunshine. Il est magnifique, ce film. C'est un très beau film. Avec Cillian Murphy. Je vous conseille vivement d'aller le voir. Ce film, il est extraordinaire. Que s'est-il passé? La station solaire n'a pas tiré. Elle a tiré, Yaro, mais ça a échoué. L'étoile a à peine réagi. Il y a bien eu des changements infinitésimaux en surface. Mais ils étaient à peine visibles. Même au troisième œil. La station solaire ne servira à rien. Elle ne pourra jamais faire exploser l'étoile. Puis je ne sais que faire maintenant, mes amis. Je suppose que nous devrions... Désolé, t'inquiète pas.
Je ne sais pas quoi faire maintenant, mes amis. Je suppose que nous devrions tous tout reprendre depuis le début. Mais je ne sais comment nous y prendre. Puis, je souffre pour vous deux. Nous savons tous à quel point vous avez travaillé dur. Je ne peux que vous offrir ma compassion. Comment vas-tu? Qu'en est-il d'Idaïa? Ah. Nous allons bien, Yaro, du moins autant que peut se... que faire se peut, compte tenu des circonstances, même si nous sommes... Putain, les musiques, elles sont assez vénères. Elles sont fortes, par contre, les musiques. J'espère que vous entendez bien ma voix. Je n'approuverai peut-être pas l'explosion de l'étoile, mais je n'ai jamais souhaité que notre appareil échoue. J'espérais en avoir enfin fini avec ce funeste projet. Commencez par rentrer tous les deux sur la sablière noire, mon ami. Peut-être qu'une nouvelle tâche nous aidera. Spire a remarqué qu'une comète... Une comète qui approche de ce système solaire et que nous souhaiterions voir de plus près. Ok. Et j'imagine que ça... Bon, ça c'est le truc qu'on a vu la dernière fois. Ok. Oh, c'est magnifique ce paysage, il est beau. Si on restait là comme ça... On profitait du spectacle. Waouh. Petit moment. Il y a plein. Je crois qu'on a tout vu hein, ici. Hein. Et il devait. Oh la lâche, le destin. Il devait vraiment trouver un moyen de. De trouver il voulait vraiment faire une supernova juste pour trouver l'œil de l'univers. C'est un truc de dingue. Une minute, 7 secondes. Est-ce que vous voulez qu'on reste jusque là? De toute façon, il faut recommencer le cycle. La musique, elle est magnifique en plus, je trouve. Y'a rien d'autre à visiter là normalement ici. Non. C'est trop trop beau. Imaginez si on arrivait vraiment à construire une station comme ça autour de notre étoile, de notre système solaire. Enfin de notre système solaire, de notre soleil, pardon. Ce serait incroyable. C'est magnifique. C'est trop trop beau. Dix-sept secondes. Dix-sept secondes? Ou c'était 17 secondes? Oh la vache. Ça commence à chauffer là. Ça y est, ça commence à arriver. Waouh. Oh, c'était beau. Bon, on a réussi. On a réussi à aller sur la station solaire. Station solaire qui a été un échec finalement. Ils n'ont pas réussi à faire une supernova. Et ils se sont finalement rendu compte que le soleil était sur le point de crever. Tout seul. Hein? Attends une minute. Ça a pas pété comme d'habitude là là. C'est moi ou ça a pas pété? Ah non, c'est parce que ça avait pété de derrière. Ok, d'accord. Donc tu peux terminer ce soir finalement. Oui. On va terminer ce soir. Nous allons terminer le jeu. Ce soir. La station solaire fut conçue dans le but de changer le soleil en supernova. Les nomades activèrent la station solaire, mais celle-ci ne produisit aucun effet sur le soleil. Ils en conclurent que la station solaire ne pourrait jamais changer le soleil en supernova. Après l'échec de la station solaire, les nomades interrompirent leurs recherches pour étudier la comète. Arrivée depuis peu, selon l'ordinateur nomade, notre soleil a atteint la dernière phase de son cycle de vie. Waouh, c'est beau. C'est très beau. Et c'est pour ça que nous allons aller maintenant dans la dernière phase... De tout ça. Putain, on a fait un sacré truc.
Où est le vaisseau? Où est le vaisseau que nous avons trouvé? Il était par là, non? Du gelé, graines de sombron, observatoire sud, module de contrôle, lancement, abysse, île de Gaboro, je sais plus où c'est, merde. Île de la statue. Où est le vaisseau? Ah, il est là. Voilà, bon maintenant on sait où il est. Donc, sablière. À gauche il me semble, ouais j'ai trouvé. Merci, merci beaucoup. Nous allons retourner sur notre fameuse petite sablière que nous aimons tant. On commence par l'apprécier cette sablière. Elle va aller de l'autre côté du soleil évidemment. Allez, c'est parti! Et cette fois, nous allons nous téléporter à l'intérieur de la sablière noire, récupérer le générateur et aller vite, 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 vite sur son bronze. Sans se prendre la sablière rouge, j'espère. Ouh, c'était juste, hein. Aïe. Ok. Je suis où? Ah, je suis un petit peu trop près de l'équateur là. Sinon ma fusée, elle va s'envoler. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Là. Là, on va être bien là. Ok. Alors là, on va être... Putain, mais... Je suis mal positionné, c'est terrible. On va se mettre vraiment là. Parce que là, je suis bien là. Mais pourquoi je suis toujours à l'équateur? C'est un truc de fou. Je suis toujours à l'équateur. J'ai envie de crever. Je vais vraiment crever, j'en ai marre. Si je fais ça, ma fusée va s'enfouler. On va se mettre près d'un... Près d'un pôle là. Toute façon, on a un petit peu de temps. Ah voilà, un pôle est là. Normalement là. Voilà, là on est bien. Bon. Alors, maintenant, il faut qu'on attende de trouver, du coup. Je sais pas si j'avais la tour. Tu vas avoir du temps à tuer avant de pouvoir accéder à la tour. Oh. Oui, c'est vrai. Ah, mais je voulais pas trop. Bah attends, on va aller sur la sablière rouge, alors on va prendre du. On va aller sur la sablière rouge, on va faire passer le temps. Quoique, remarque, ça arrive, hein, regarde. Hein. Ça arrive vite, hein. Ça va vite, 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 hein. Normalement, elles sont là. Après, celle de... Ouais, bah en même temps, celle du soleil, elle est très grande aussi, je comprends, hein, mais... Ça va être là, bah. Les deux... Voilà, elles sont là, les deux tours. Regarde, elles sont là déjà. Après, ouais, ça va prendre peut-être un peu de temps pour...
Enfin voilà, faire vite en plus, il va falloir récupérer le générateur, se dépêcher. Oh, j'adore, c'est impressionnant par contre cette planète, hein. Le bruit en plus du sable qui s'écoule comme ça, c'est trop stylé. Waouh, c'est beau. Waouh. Alors, je sais plus lequel c'est déjà. Je ne me souviens plus lequel c'est. Si c'est celui-là. Non, ça va être l'autre, normalement. Ah, mais il faut que j'attende encore un peu. Effectivement. C'est un petit peu en dessous. Je crois que c'est celui-là. C'est celle-là, de tour, il me semble. Il me semble que c'est celle... Je sais plus laquelle c'est. Non. Bon, c'est vrai que j'ai un peu de temps. Un tout petit peu de temps. Nion. Moi bon, j'attends encore un peu, j'attends là. Hein. On est bien là. Ah. On voit plein d'étoiles. Est-ce qu'on voit des étoiles qui... Est-ce qu'on voit des étoiles là. Il y a une supernova là, ici, là. On voit plein de supernovas un peu partout. Je crois que c'est bon. C'est celle qui est cassée. Celle qui est cassée? Ok. Donc ça va être celle-là. Ouais, là. Voilà. Là, on y est. Ta 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 ta. Oh, il y a un pic-pic là. Ok, on y est. Let's go, let's go, let's go. Maintenant, faut que ce soit aligné. Ça aussi, l'espèce de reflet violet, je trouve ça trop beau, ici. Attention. Ah bah oui, mais évidemment. Envie de crever, mon dieu. Pourquoi ça fait... Ah mais non, mais c'est pas celle-là alors. C'est pas celle qui est cassée, je crois pas alors. C'est pas celle qui est cassée. C'est pas possible. C'est pas celle qui est cassée, hein. Si, c'est celle qui est cassée. Mais wesh, comment tu veux faire alors avec le sable? Ah, parce que alors ça va être de l'autre côté, en fait. Je reste dessus pour voir. De toute façon, justement, cet obstacle t'empêche normalement d'y entrer au hasard. Oh, mais la dernière fois, j'y suis entré vraiment de manière random comme ça, donc... Ah, mais ça va être trop chaud, faudra que je reste... Faut que j'appuie sur le carburant pour... Oh, ça va être chaud... Comment j'ai fait la dernière fois? Je ne sais plus comment j'ai fait. En fait, la dernière fois, j'ai marché juste de manière random comme ça. Tu avais donc chopé pile le timing qu'il fallait. Ah, il y a un timing en plus. Oh, punaise. Mais comment c'est possible? Voilà, si je mets 3000 ans à trouver comment faut faire, ça va un petit peu me saouler. En vrai, ouais, le timing parfait. C'est chaud. Ou alors, faut que je me mette là quand il y a un peu de sable. Et dès qu'il est là, hop, vite. Je vais dessus. Pourrait tenter ça. Le vaisseau est loin. Ma fusée bouge pas. Il
Faut que je reste comme ça, faut que j'appuie en fait. Ah, j'ai bientôt plus de carburant, putain. Je sais pas comment je vais. Je vais tenter un truc, hein. Ça se trouve, ça va pas être ça. Allez, allez, non, c'est pas là. Marche pas encore. Alors, c'est juste. Ah, c'est juste après. C'est juste après. Oh yes. Oh yes, c'est bon. J'ai réussi. Ah. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go, on y va. Mais putain, mais j'ai perdu vachement de temps. J'ai perdu vachement de temps. Je vais pas avoir le temps de le faire, hein. Je vais pas du tout avoir le temps de le faire, la boucle, là. Enfin, la truc. Voilà, et ça. Je sais pas, pas du tout le temps de le faire. Ok, ok, allez. Attrape-le, putain. Attrape-le. Attrape-le. Voilà, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Comme ça on retourne là-haut. Ah putain, c'était là. Ok, go, 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 go. On a vraiment pas beaucoup de temps, ça va être un enfer. Hein. Mais ouais, le soleil est déjà rouge. Je vais vraiment pas avoir de temps. Il est où? Il est de l'autre côté le vaisseau. Il y a déjà la musique? Non. Le soleil va déjà péter. J'ai envie de crever. Si le soleil pète déjà, c'est vraiment chiant. Il pète pas tout de suite quand même le truc. Dites-moi qu'il pète pas tout de suite. Parce que je dois rentrer les codes et tout, le timing, c'est chaud, 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 chaud de fou. Hein. En plus, je dois faire gaffe de pas me faire choper par les poissons. Ça va être trop juste. T'inquiète pas, c'est pas exactement la même musique. Ouais, c'est pas la même musique, je viens de saisir le truc. Mais le problème, c'est les poissons. Ils vont me faire perdre tellement de temps. Je vais pas avoir le temps, je pense. Allez, allez, allez. Allez, allez. S'il y a un poisson, je pense qu'il est juste en bas, là. J'ai assez accéléré ou pas? Putain, mais j'ai. Le problème, c'est que ça te ralentit de fou le truc. Oh, le vaisseau, il est loin. Je sais pas comment il fait pour pas nous voir. Ça va être très, 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 très tendu. Ça va être long de chez long. Allez, allez. On est si près du but. Oh là là.
Allez, allez, on va y arriver. On les entend respirer, les monstres, là. Est-ce que je peux tourner très légèrement? Il y a un poisson qui est juste là. On vise pile. Il y a une racine qui est juste devant. Bon, on est juste à côté. On va se faire repérer. Ok, c'est bon, on est bien, on est bien, on est bien. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, allez, on y est là. On arrive, enfin. Oh la vache. Let's go. Let's go, let's go, let's go, on y va. Merde, j'ai plus de carbu. Oh putain, salopard. Deux. Vite. Vite, 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 vite. J'ai pas envie de refaire tout ça, ça va être chiant à refaire. Allez, let's go. Putain, c'est le côté? Non, ah c'est là. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, on y va. Oh. OMG. Alors, attendez. Que je me souvienne. Oh, il y a les coordonnées, super. Alors, tac, tac, tac. Non. Non. Ok. Ensuite. Alors. Ok, et alors celui-là c'est un peu le plus chaud à faire. Ça y est. L'œil de l'univers. Et la boucle là du coup. Attends, ce serait pas. Ce serait pas notre planète ça. C'est pas notre système. Mais du coup que... Ça fait quoi si je fais ça? What? Oh! Il y a la lune quantique qui est juste là! Attends, mais faut que je fasse quoi du coup là?
Attendez, faut que je fasse quoi du coup? Faut que je... Je peux aller nulle part? Je peux pas aller en dessous? Non, là en dessous j'ai déjà vu là. Il y a ça. Oh, le mystère de fou là. Faut que j'aille là-dedans, vous pensez? Oh, le vaisseau il est juste là. Ok. Ah, attendez, je suis en train d'aller dans l'œil de l'univers là complètement. Ça veut dire que ça c'est notre système solaire. Merci Paul Papat, j'en ai besoin là. C'est un peu creepy. Je sais pas si... Y'a plus le vaisseau, c'est... Non, c'est... Je continue, hein, j'avance. Je suppose qu'il faut aller par là. Oh, y a toutes les étoiles qui sont en train de péter de partout. J'entends un bruit chelou. J'entends des bruits chelous. Je suis très très peu rassuré. Y a pas d'effet quantique, non? Ah, il m'a fait peur! Putain! Oh! Ça s'est arrêté. Ah non, putain, ok. Oh! Oh! Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh. Réserve d'oxygène rechargée, ok. Wouah! C'est terrifiant, mais ils sont fous de faire un jeu aussi terrifiant que ça. Faut que j'aille où? Oh putain! Je continue. Je sais pas du tout, il faut que j'aille. Ok. Ah mais attendez. Pourquoi ça s'est complètement inversé le... Faut que j'aille où exactement? Je continue par là. Hein. Oh putain, il m'a fait peur cet arbre. Jamais été aussi flippé que par un arbre. Attendez, j'arrive à l'œil de l'univers là. Et j'y suis? Ok. Je vais là? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est bien gentil, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Faut que j'aille dans l'œil? Non? Je reste là? Je le regarde? Oh merde! Je peux pas le ramener! Oh non! Merde, je... C'est moi ou ça se creuse de plus en plus là? Non, c'est moi qui délire. Faudrait pas que j'aille là-haut justement? Ah si, 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 en fait. Oui, je peux marcher comme ça. Oh! J'ai perdu le guet... Mon guetteur! Mon guetteur! Oh, ah, je vais pas aller là-dedans, hein. Ça me fait trop flipper. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Le dernier grand saut. J'y vais. Est-ce que vous êtes prêts à sauter dans l'inconnu encore une fois?
Oh la vache. On va vraiment sauter dans l'inconnu. Allez, 3, 2, 1. Oh, OMG. Oh la vache. What? Interstellar. On est littéralement dans Interstellar. Cocognon. What? Les humains ne le sauront jamais, mais grâce à leur effort et leur découverte technologique, un Atrien est parvenu à trouver l'œil de l'univers. Le programme Odyssée fut fondé par Vespa, Gossan, Ardoise et Cornet en vue d'explorer un système solaire situé aux confins de l'univers. Ok. C'est tout? Attends. Odyssée fut fondé par Vespa, Gossan, Ardoise et Cornet en vue d'explorer un système solaire situé aux confins de l'univers. Et là, du coup. Les nomades ne sont jamais, grâce à leur effort et leur découverte énergie, un être rien parvenu à trouver l'œil de l'univers. Je m'en vais, c'est ça? Ça finit comme ça? What? Faut que je médite ou pas? Je peux pas prendre l'île de cet endroit. Comment je fais? Ah si, je peux aller par là. C'est glauque ici. Je n'ai pas trop envie d'aller là. Oula. Ah oui, d'accord, ok. Ok, le jeu il me fait peur. Au terme de son existence, notre soleil s'est effondré sous le poids de sa propre gravité avant d'exploser en une violente supernova. Oh, ça a tout changé. Tout le monde est... Calin Coco, merci. Attends, tout le monde est mort, du coup? C'est un résumé de tout, là? De toutes les formes de vie qui périront lors de la mort prochaine de l'univers... Le seul à Kant est celle que nous regretterons le moins. Ah oui, oh oui, oh oui. Ah, c'est pas mal ça. Oh putain. Les nomades arrivés dans notre système solaire suivaient un signal émis par l'œil de l'univers. Ils ont péri à l'arrivée de l'intrus, porteur de la substance mortelle appelée matière fantôme, qui submergea le système solaire tout entier, presque immédiatement, et sans le moindre signe avant-coureur. Mais oui, c'est pour ça qu'il voulait, il voulait aller voir l'intrus. Oh mon Dieu. D'accord. OMG. Mais du coup, on est le seul survivant? Enfin, entre guillemets survivant? Waouh. Attendez, il y a d'autres trucs. Non, il n'y a pas d'autres trucs.
tous les univers. Oh, je vois les univers qui explosent. Oh. What? Il y a tous les univers qui... Attendez, je suis le seul survivant. Et tous les... Signal non identifié à proximité. What the fuck? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette fin que je suis en train de vivre actuellement là? What? Oh! Oh! Oh mon... Oh! Ouais, Esker, qu'est-ce qu'il fait là? Tu entends la musique? Tu entends la musique? Oui. Oh, les transitions. Incroyable. Il y a un banjo. Oui, j'entends la musique. Oui. Tu entends la musique? Ah oui, j'entends. Il n'y a pas d'autre? Oh! Collecter... What the fuck? Ok. Ok, ok. Oh, on retrouve les... L'heure n'est pas encore venue. Je crois bien qu'il va nous falloir les autres pour la suite. On aura besoin de tout le monde, quoi. Rien ne presse. Prends ton temps. À supposer que le temps existe ici. Ok. Ça a formé la musique à la fin. Oh. What? C'est quoi ça? Pourquoi y a un... Y a un satellite là.
Ok, il y en a un autre, là, l'harmonica. Oh, putain. Oh, les bâtards. Oh, les Oh, les enfoirés. Ils ont fait ça. Oh. Oh, bordel. Il est toujours là? Non, il est plus là. Oh, ils ont fait ça. Oh, j'en reviens pas qu'ils aient fait un truc pareil. Oh, mon cœur a failli s'arrêter. Oh, des méduses. Ok, plus que lui. Oh là là, j'en reviens pas qu'ils aient fait ça. Le poisson. Ils savaient, les devs, de créer un monstre encore aussi terrible comme ça pour te marquer à vie, là. Bah, il est où? J'ai eu plus peur de la réaction de quoi que de la que du baudroie. Désolé. Là, il y en a un là-bas. Écrit quoi? Across. À travers l'écorce centenaire. Dans l'antique clairière. À l'obscurité immobile. Ok. Il y a un dernier truc. Ah, j'ai pas récupéré lui. What the fuck? Je comprends pas lui là, comment je fais pour récupérer, c'est... On va faire celui d'abord. Lui, je comprends pas. Ah, collecter comme ça, d'accord. Ok. C'est qui lui? Oh! Ah, c'est les nomailles! Je suis au milieu là, c'est ça? Ça fait quoi? Oh! Je sais pas, what? Ils me disent d'aller en haut, bah... Ah. Ils font une... Ok, d'accord. Ok. Il faut vraiment, faut que je fasse combien de fois encore là? Un peu long ça. Oula. Ils vont faire combien de fois parce que j'aime. Oh. Ok, d'accord.
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Collecté. Bah oui, il y avait lui, c'est vrai. Il manquait plus que lui. C'est tout bon, j'ai plus personne. Incroyable. Qu'est-ce que tu en dis, mon galet temporel? On lance la musique? Attends, pas encore, prends ton temps. Un observateur conscient est entré dans l'œil. Je m'annonce ce qu'il va se passer à présent. Le moment est-il venu de le découvrir? Bah, en vrai, oui, hein. Cette chanson est nouvelle pour moi, mais c'est un ordre d'en faire partie. Je peux jouer? Bah oui. Bah, c'est parti alors. Ok, je peux commencer? Oui, d'accord, je ferai de mon mieux. On lance la musique. Wow. Bienvenue à Monica ou pas? Et c'est parti. J'ai hâte de pouvoir jouer à nouveau avec le reste du groupe. Je peux y mettre? Oui. Tu ne regretteras pas. Wow. Fait green, dernière game move. Dommage. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux que je te dise, c'est vraiment divertissant et puis j'ai contribué à créer un truc cool. Alors je n'ai pas à me plaindre. Enfin, pas le mois de maintenant, mais moi quand même. C'est pour ce genre de choses qu'on se réjouit d'avoir pris le temps de humer les pins le long du chemin, tu sais. Ok, d'accord. Je crois que nous avons atteint le terme de notre voyage. Tout ce qui reste à faire, c'est de procéder à l'effondrement des innombrables possibilités qui s'offrent à nous. Voulez-vous apprendre ce qui adviendra ensuite? Attends, pas encore. Certains ne le fassent s'effondrer, elle sera jamais une... J'ai beaucoup appris à la fin de tout. Le passé est passé à présent. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Doudou a fini. Oui, c'est séquence émotion à la fin. Oui, j'ai fini. Enfin, j'ai pas fini. Attends, il me reste encore un petit peu. Il ne disparaît jamais complètement, même si on ne le verra pas. L'avenir repose sur les fondations du passé. Mais bon, il est temps de faire place à quelque chose de nouveau maintenant. Même si tout est fini. Tu viens de finir le tuto, le jeu commence enfin. Ah non. Et là, tadadam! Bonjour, chapitre 1. Même si tout est fini maintenant, j'ai aimé apprendre et découvrir, mais je pense que les règles sont sur le point de changer. Waouh, ça fait combien de temps que je n'ai pas joué avec tout le monde autour du feu de camp? Ça me fait vraiment plaisir que tout le monde soit là. C'était moins une, non? Enfin, tout est bien qui finit bien, j'imagine. Ah, j'espère qu'il y aura des bestioles la prochaine fois. Non, pas de bestioles. Ce que je te dis, c'est vraiment nana. Là, j'ai déjà lu. Et maintenant, je crois que nous avons atteint les termes de notre voyage. Tout ce qui reste à faire, c'est procéder fondement des innombrables possibilités qui s'offrent à nous. Voulez-vous apprendre ce qui adviendra ensuite? Bah oui, hein. Allez. J'aime bien votre curiosité. Découvrons-le ensemble. Ok. Et du coup? Oh. Le Bing Bang. Wow.
suis aveugle maintenant. Waouh. Outer Wilds. Waouh. Executive Mazioka. Oh la vache. Oh. Tout ce temps passé dans l'espace. Waouh. Oh, l'aventure qu'il y a eu. Oh, on n'en a pas recouru du chemin. Oh, c'est beau. Oh, fiu, fiu, fiu. Magnifique ce jeu. Oh là là. Oh. Ça met en question tellement de trucs. Il y a tellement de questions que tu te poses. Avec ce genre de jeu, c'est un truc de dingue. Merci pour les pâtes et Ruff. Waouh. Composeur. Ouais, bah le compositeur, franchement, bravo à lui. Parce que les musiques, mon Dieu. Et voilà. Oh là là, c'était beau, hein. J'espère que ça vous aura plu. On aura fait en combien de lives? 5 lives, il me semble. 5. On aura vécu une sacrée aventure, hein, quand même. Waouh, 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 waouh. C'était tellement beau. J'adore ce genre de jeu parce que ça te donne, vous savez, une certaine nostalgie parce que on se remémore un peu on se remémore un peu les débuts du jeu, genre quand on a commencé, on était tout bébou à découvrir comme ça le truc. Tu as été rapide alors? Ah ouais, tu trouves que j'étais rapide? Je crois que je l'ai fait en 5 lives, il me semble, ouais. Pleure pas. Ma petite larme quand même à la fin. J'étais content. Mais oui, c'est magnifique, attendez. C'est le genre de jeu qui te fout d'une nostalgie, mais c'est magnifique. Ah, c'est. Mais non, faut pas pleurer. Enfin, si, on peut pleurer, c'est du bien de pleurer parfois aussi. De temps en temps. Waouh, mais c'était magnifique. Mais je sais pas si j'ai été très rapide. Pourtant, ouais, je me suis plutôt bien débrouillé après, mais. Oh, le début, quand on savait rien de tout ça. Quand tous les trucs qu'on a découverts. Et la musique, toujours là. C'est un très beau jeu, franchement les devs ils ont fait un truc de fou. Il y a des passages un peu compliqués, j'admets, qui sont un peu tirés par les cheveux quand même. Mais franchement, quand on vient à bout, t'es... Wow. Ah, ça fait trop trop plaisir. Trop 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 plaisir ce genre de jeu. C'est vrai que je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé ce jeu vraiment incroyable. C'est un chef-d'œuvre, hein, ce jeu. Il a vraiment marqué les esprits, hein, quand même, je pense. Ça, c'est ça qui est trop bien. Oh, la quantité de personnes là qui ont. Oh, la musique. Waouh. Oh, je sais plus trop quoi dire. J'avoue, là, je suis. À la fin, bah, c'est le. Je pense que c'est le bing. C'est. Il y a un bing bang, quoi. Ça redémarre. Ça recommence. C'est une boucle infinie. Avec de nouveau, de nouvelles bestioles, etc. Comme il disait. De nouvelles bestioles, de nouveaux trucs, de nouveaux.
Ça pose tellement de questions sur notre univers actuel, genre. Imaginez si jamais on apprend que là, c'est genre l'univers il s'arrête, c'est terminé, il n'y en a plus aucun. Et qu'il y a une seule personne, du coup, lui, là, l'astronaute qui voit tout ça, qui est témoin de ça. Thank you for the Outer Wilds. C'est trop beau, je trouve. C'est le seul témoin. 14. Oh, c'est pas fini. 14,3 billions d'années plus tard. Oh. Oh. Oh, c'est beau. Oh, c'est stylé, c'est des planètes creuses. Oh, le concept est plutôt pas mal. Oh. Oh, il y a des bestioles mais qui ont que deux yeux. Oh, mais... C'est notre sonde qu'on avait envoyée. Oh, c'est génial. Oh, c'est trop bien. Merci pour les parties, parties. Et voilà. Fin du jeu. Mobius, on a pour là. Voilà. Les producteurs. Et voilà. Waouh. Oh la vache, enfin terminé. Trop trop bien. Oh. Oh, les débuts et tout, c'est un truc de dingue. Oh. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. J'espère vraiment que tous ces lives vous auront plu. Pour ceux qui ont suivi tout le long, même ceux qui étaient en lurk, merci beaucoup. Meilleur jeu, incroyable. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Hein. J'ai fait vraiment que des bons jeux cette année, je suis très content. Pour l'instant, je fais vraiment que des bons jeux. Depuis le début de l'année, là, j'enchaîne les jeux trop trop beaux et tout. Je veux plus de jeux comme ça, encore plus. C'est vraiment des jeux à émotion et tout, ça fait du bien et tout. Ah, c'est magnifique. Enfin voilà, merci pour tous les gens qui ont regardé et tout. Ouais, que des bons jeux, Stellaris demain. Oui, et alors, ça c'est une autre histoire. Doudou, c'est une autre histoire. On va en parler. On en parlera juste après. Il y a des fins spéciales à découvrir si jamais, mais c'est plus un easter egg qu'autre chose. Ouais, bah ouais. Bah ça, je vous inviterai à regarder. Je pense que je le ferai en off et tout. Je regarderai des trucs. Le midi. Merci pour le pat-pat, le Valky. En tout cas, voilà. Merci infiniment d'avoir suivi tous ces lives, d'être arrivé à bout de cette grande aventure spatiale. Ah là là. Oh, ça me fait quelque chose hein, quand même. Hein. Bon allez, on va quitter. Et oui, il faut s'arrêter là. Waouh, c'était magnifique. J'essaie de me trouver les musiques de Outer Wilds, tiens d'ailleurs. Outer Wild. Voilà. Bisous à tous, bisous. Le thème principal c'est mon réveil. Ah ouais, trop bien, je savais pas. C'est génial. Nyon, sniff, sniff, mais Valkyrie. Te rends compte l'aventure qu'on a eue, Valkyrie, c'est un truc de fou. Elle est finie. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. C'est une aventure qui se finit pour qu'il y en ait une autre qui commence. Une nouvelle. Ah ouais, c'est comme ça. Ah là là, c'est beau. Une bonne transition pour vous souhaiter une bonne nuit. Merci beaucoup Hector d'avoir été là. Pour certains des lives et tout, d'avoir aidé. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir aussi poussé à faire le jeu. Il y en a beaucoup qui m'ont dit vas-y, fais le jeu et tout, il faut le faire. Donc voilà, il est fait. Ça y est. Encore un nouvel achievement. Oh là là. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Vous avez passé un bon moment sur ces lives là de Outer Wilds. Si jamais vous voulez vous replonger, pour ceux qui n'ont pas vu dans l'histoire, merci à toi d'avoir joué à ce jeu. Merci beaucoup, Rector. Merci, merci. Merci infiniment. En tout cas, si vous voulez évidemment revoir tout ça, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube où il y a toutes les rediffusions.
Et il y aura évidemment la rediffusion. Je fais des playlists aussi maintenant de chaque jeu. Et il y aura du coup la playlist Outer Wilds que j'alimente évidemment. Faut que je mette les deux derniers lives là de Outer Wilds ou celui-là. Donc voilà, si vous voulez vous replonger, re-suivre l'aventure tout entière, au moins maintenant il y a des archives. Et c'est ça, c'est plutôt cool. Oh là là là. Je suis trop content. Trop 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 content d'avoir fait ce jeu. Ce jeu qui est fabuleux. Trop trop stylé. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Et nous allons aller sur. Je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Et puis voilà. Nous allons aller voir. Qui c'est qui m'avait raid la dernière fois? Ah, bah il y avait le Cocoré. Qui je pense. Je sais pas s'il va s'arrêter. Et à quoi il joue? Tiens, vas-y, le Cocoré, on va vite le raid avant qu'il arrête. Oh là là. Oh là là, c'était trop trop bien. C'était magnifique. Je sais pas quoi dire. J'ai vraiment pas les mots. J'ai plus du tout les mots. Donc. Ça m'a vraiment fait voyager hein, pour le coup. Oh, la musique elle est incroyable. Ouais, je vais la mettre dans mes favoris. Oh, trop bien. C'est le. Et la musique elle te reste dans la tête. Elle est super belle aussi, la musique. Tout, ils ont tout bien géré. Tout le système aussi du gameplay et tout. Il y a tellement de choses différentes. Tellement de mécanismes de jeu qui sont trop belles. C'est trop trop beau. Trop 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 beau. Ah là là. Enfin voilà. Bon allez, je vous envoie. Je vous laisse. Je vous abandonne ici les bébêtes. On se retrouve de toute façon demain avec le Midji et d'autres bébêtes. Encore la petite musique. On reste avec la musique jusqu'à la fin quand même. Je vous envoie chez Cocoré, du coup, qui est sur Pacific Drive. Notre style de jeu, mais qui peut vous plaire, si jamais. Enfin, voilà. Merci beaucoup encore une fois. Je vous fais de gros gros bisous. Merci infiniment d'avoir été là jusqu'à la fin. Ou en lurk, également. Mais merci en tout cas. Merci infiniment. Ça fait très 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 plaisir. Et puis, c'est un jeu où finalement, j'aurais bien aimé qu'il continue un peu plus. À la fin, j'ai cette sensation de envie de continuer. Tu vas nous me connaître ici jusqu'à demain, Coco. Oh, mais t'es chou, le Valky. Parfait, pas, ça va aller vite. Ça va aller très vite. Le temps, bah, le jeu nous a appris que le temps est particulier, qu'il va très vite, qu'il y a toutes ces histoires de passé, de futur, etc. Voilà. Donc, réfléchissez là-dessus, méditez bien sur tout ça. Ça fait bien réfléchir, remarque, ce jeu. Ça fait méditer sur beaucoup de choses, un peu sur l'existence même. Petite crise existentielle à la fin du live, voilà. Mais en tout cas, voilà, faut juste se souvenir d'une chose, c'est que ce jeu, il est magnifique. Et que tout ce qu'il décrit, pitié, pas le temps, Philou. Non, mais faut se rappeler juste de la beauté de tout ce qu'il y avait dans ce jeu. Et c'est ça le plus important. Et je pense que c'est ce que le jeu veut nous faire passer. C'est ça aussi qui est cool. Il y a un sacré discours dedans, donc voilà. Bon, bref, je vous embrasse. Des gros gros bisous, 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 partout. Enfin, pas tout, partout, évidemment. Mais je vous fais des gros câlins, des gros pat-pat. Envoyez plein d'amour au Cocoré. Et je vous dis à très vite. À demain, les bébêtes.